place, a new home for a while. Let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. A new man passing by. Life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Oh, I feel so alive. As I reach out to the sky. I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found my way. When I call your name, you will come forth. I shall place the salty hat on your head, and you will be sorted into your houses. Guardian Leviosa. You're going to take someone's eye out. It's Leviosa. Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir, comme chaque soir, vous le savez, à partir de 19h30 pour la suite, non pas de la rénovation des mondes, mais pour la suite tout simplement de notre construction sur la maison de Otis de Sex Education, puisque c'est notre rendez-vous tous les dimanches. Et je constate qu'un de mes éclairages est tout cassé. Attendez. Voilà, c'est bon, c'est réparé.
Je vais déjà commencer par vous dire bonsoir. Donc coucou Héloïse, coucou Noémie, coucou Lucifred, coucou Liska, coucou Déborah, coucou Bekinou, coucou Miss Véronica, comment tu vas? Elle est trop bien l'intro. Et coucou Po également. Alors l'intro n'a pas été faite par moi, elle a été faite par mon ami Cyril Soinel. Donc si jamais ça vous intéresse, elle fait ce genre de prestation. Tu veux quelle couleur Liska? Dis-moi tout. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, je me suis plutôt bien amusé ce week-end. Je me suis reposé également. Voilà, donc c'était plutôt cool. J'espère que vous avez passé également un bon week-end malgré le mauvais temps assez important qu'il y a eu partout en France. Mais donc, voilà. Avant de commencer un petit peu le stream, j'ai des petits trucs à vous montrer. Puisque j'ai reçu de Funko Pop. Et vous savez que le rituel, c'est que je reçois une Funko Pop. Je fais l'unboxing avec vous. Oh, j'ai reçu cette magnifique petite Funko Pop. Voilà, alors Funko, si jamais vous voulez sponsoriser la chaîne, vous n'hésitez pas, genre vraiment. voilà, hein. Voilà, Funko, je pense que j'ai payé les études d'un, au moins d'un de vos employés. Hein, voilà, enfin d'un enfant d'employé. Donc voilà, elle est trop belle. Ouais, elle est trop belle. Hein. En plus, c'est une exclusivité puisque c'est de la Wondrous Convention. Voilà, en limité des chaînes. Oh, merci Lady Madness pour ton raid. Merci beaucoup. Merci. Comment ça va tout le monde? Comment ça va? Excusez-moi, j'étais en plein. Hop, slabation SO. N'hésitez pas à aller follow la copie de Lady Madness, je vais y arriver, qui fait des lives de qualité. Comment ça va tout le monde? Coucou Vaya, coucou Moment, coucou Lady, du coucou Lady Flo, coucou D2S4B, coucou à toi, coucou Harry Legal. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Comment ça va? Comment s'est passé ton stream? À peine je commence, ça y est, j'ai eu un petit raid. Comment ça va? Hello from the raid, mais oui, coucou tout le monde, comment ça va? Vous avez passé un bon stream. Là, on allait commencer juste le stream par un unboxing. Parce que oui, j'ai reçu ma nouvelle Funko Pop. Comme vous le constatez, ma couleur de cheveux, c'est de pire en pire. Hein, on va pas se mentir. On part sur un brun qui revient. Un roux dégueulasse qui est en train de se délaver. J'ai très très hâte de couper tout ça. Parce que là, ça devient très moche quand même. Et coucou Queen Queen également, comment tu vas? 35 critères, comme bourdage, mais trop bien. Bah voilà, regarde. Trop bien. Alors, attendez, je vais essayer d'ouvrir la petite Funko Pop. Du coup, je pense que tu étais sur du Sims, si je dis pas de bêtises. Tu es sur un challenge construction. Je pense que j'ai vu ça passer tout à l'heure sur Twitter. Comment vas-tu? J'espère que tu vas mieux que ta couleur. On est d'accord. Ouais, bah écoute, ça va. Ça va. J'ai eu un repas familial aujourd'hui. Vous savez, mon amour pour les repas familiaux. On me dit, Clément, il faut que tu sois là à midi 30. C'est important, tu dois être là à midi 30. On a commencé à manger, il était 14h. 14h. Genre, à ce moment-là, tu me dis, tu viens à 13h30. Genre, en plus, je le dis à ma famille à chaque fois. Genre, bon, écoutez, les gars, vous êtes bien gentils. Ah, mais moi, je viens genre 30 minutes avant la bouffe. Genre, on me dit midi et demi, du coup, je me réveille, je fais en sorte, voilà. En plus, j'ai pas eu le temps de tourner le TikTok, donc il n'y a pas eu de TikTok hier ni aujourd'hui. Je dis, bon, bah, c'est pas grave. Et là, on est sorti de table, il était 17h30. Voilà, j'adore ma vie. construire Sims 4, challenge à deux, beau, dos, une pièce, une citation. Ah ouais, c'est chaud en effet. Mais écoutez, moi, ça va bien. Je comprends pour ta couleur, d'accord. Hein. Derrière ma phobie, les repas comme ça, j'en fais souvent, heureusement. Et pourtant, j'essaye de les éviter. Hein. Dis-tu as des news de la Twitch au niveau de l'ouverture de la billetterie? Moi, je veux te revoir. Alors, bah écoute, on n'a pas de news pour l'instant. Après, faut pas se paniquer. Je pense que la billetterie va ouvrir mi-avril. Peut-être début mai. En règle générale, ils ouvrent la billetterie 2 à 3 mois avant l'ouverture, enfin avant la convention en elle-même, parce que deuxième TwitchCon, ça va être la troisième. Généralement, c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils ouvrent la billetterie quelques mois avant. Donc voilà. C'est trop long ce genre de problème, mais c'est ça. Hein. Non, mais on est dimanche, on s'en fout de donner des mauvais horaires, c'est pour gentil. Mais c'est ça, c'est pas cool. En vrai, j'aime trop les repas de famille, surtout quand c'est moi qui prépare à manger. Je déteste les repas de famille. Hein. Alors, il faut savoir que je viens d'une famille espagnole, donc les repas de famille, je connais. Hein, et c'est pas le pire qu'on ait fait. Hein. Moi, j'ai déjà connu un repas où genre ça a carrément dérivé sur le repas du soir. Et qu'on a du coup mangé aussi le soir. Voilà. Non, moi, j'ai connu aussi les repas de Noël avec toute la famille, où tu commences, il est 19h, et qu'à 2h du matin, tu n'as toujours pas le dessert. Donc, voilà. Faut que je regarde de tout côté. Ouais, je pense que les billets, on va être à 100. Je pense que pour les deux jours, pour des affiliés, je pense que ça va être 120 balles pour les deux jours. Et faut savoir que les partenaires ont moins 50%. Enfin, ça se jetait comme ça. Alors peut-être que ça va changer cette année. Mais en tout cas, les années précédentes, c'était comme ça.
Et coucou Sarah, comment tu vas? Coucou Yassim7, pardon, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça mange tard comme au Portugal. Bah, c'est un peu ça, ouais. Perso, je n'aime. J'aime pas de. No... Attends. Perso, j'ai même pas de nouvelles pour ma candidature en tant que drag queen. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu l'appel au talent, je crois. Après, alors, on va pas se mentir, hein, Twitch France, ils sont vraiment, vraiment pas beaucoup. Ils sont une équipe réduite, ils sont même pas une dizaine, je crois. Donc, en vrai, je pense qu'ils sont tous débordés. Ok, il faut du temps. Il y a beaucoup de... Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de candidatures et ils sont qu'une dizaine. Hein. Ils sont vraiment pas beaucoup Twitch France. Attends, on va continuer notre petit unboxing. Excusez-moi pour le bruit en plastique. Alors, oui, alors, comme vous le constatez, je parle beaucoup moins fort. Alors, je pense que vous n'entendez pas spécialement la différence. Je pense que vous entendez juste que ma voix est beaucoup plus posée que d'habitude. Parce qu'en fait, ma voisine du dessus m'a dit qu'en fait, elle m'entendait parler quand je streamais. En même temps, depuis que j'ai changé ma pièce de stream, en fait, je suis juste en dessous de sa chambre. Donc voilà. Donc du coup, je parle moins fort. Du coup, ma voix est plus posée. Et ça me fait du bien. Merci, Mélanie, pour ton resub. Merci beaucoup. Merci, merci. Mais normalement, j'ai augmenté la sensibilité de mon micro pour qu'en fait, techniquement, vous n'entendiez pas de différence en termes de son. Juste, il y a juste la hauteur de ma voix qui change. Un jour, j'ai fait un repas de famille. On était au complet à 13h. On a commencé à 15h et fini à 23h30. Bon, je déteste les repas de famille. Ah oui, là, c'est plus que long. Ouais. Là, c'est plus que long. Du coup, je vous montre la petite Funko Pop. Regardez, elle est toute mimi. Alors, je suis un peu surexposé. Bon, c'est pas grave. Regardez, je vais faire ma youtubeuse. Regardez comment je suis trop bien, ma youtubeuse beauté. Oh là là. Bon, le focus, il se fait pas trop, mais vous avez compris. Bon, en vrai, elle est pas mal. Alors, j'ai payé cette merde 22 balles. Hein. Par contre, ça, je vais pas vous mentir, je suis un peu dégoûté du prix. Je pensais qu'elle était au moins floquée. Parce que 22 euros pour la même Funko Pop Edwige que j'ai déjà en 3 fois. Enfin, je sais pas si. Attendez, je suis juste derrière. Là, j'en ai deux, j'en ai une en classique, une en floqué, c'est-à-dire qu'elle a une texture peau de pêche. Et au-dessus, là-haut, j'ai, alors vous ne la voyez pas, mais en fait, j'ai une grande Edwige. Mais voilà, donc là, j'en ai une autre qui est du coup avec la petite lettre de Poudlard. Enfin, 22 balles pour ça, j'aurais préféré payer 15 euros. Hein. C'est vraiment parce qu'il y a un petit autocollant dessus. Hein. Et coucou Elana, j'espère que tu vas bien. En tout cas, jolie chouette. Ouais, elle est jolie, la petite pop Edwige, bien que bon, le prix me... Ah oui, non, mais alors attendez, je suis pigeon, je le sais, hein, je suis pigeon avec les Funko Pop, mais je suis réaliste. Genre, je sais quand j'achète de la merde, quoi. Et du coup, merci Mélanie, puis coucou à toi d'ailleurs, j'avais pas vu ce cinquième mois d'abonnement. Et coucou Camille également. Par ailleurs, je n'ai pas contacté la personne du dernier giveaway qu'on a fait vendredi, donc si jamais tu es dans le chat, ne panique pas, je t'envoie un message juste après. Je vais pas vous mentir, ce week-end, je n'ai pas allumé mon PC, le PC actuel qu'il a là, je l'ai allumé uniquement il y a 20 minutes pour lancer le stream. Je n'ai pas allumé mon PC de tout le week-end. Je me suis reposé parce que j'ai pas beaucoup dormi la semaine dernière et du coup samedi j'ai passé littéralement ma journée au lit, c'est à dire que je me suis réveillé, il était 9h et je suis sorti du lit, il était 15h30, genre je pense qu'au niveau du respect je l'ai perdu. Mais voilà, et pas de soucis Vikinou, bon appétit à toi. Et coucou Chouki, comment tu vas? Et bonsoir, faites-vous visiter le musée de la Funko Pop de Mister. Non mais c'est ça, je vous jure, je vais faire payer l'entrée. Mais donc voilà, et c'est parce que j'ai des petits trucs à vous dire avant qu'on lance vraiment le stream. Alors déjà, je vais surtout lancer le live TikTok, parce que je suis en train de discuter depuis tout à l'heure, mais j'ai oublié de le lancer. En principe, alors si, au niveau du planning, cette semaine au niveau du planning, ça va pas beaucoup changer. Je vais pas encore streamer jeudi, je suis vraiment désolé, en ce moment j'annule pas mal de streams, je suis vraiment désolé. Mais pas de panique, hein. Là c'est juste que jeudi, en fait j'ai des amis que j'ai pas vu depuis longtemps, qui m'ont invité à un resto, donc du coup j'ai dit bah go, allez, on fait un petit resto, donc jeudi je serai pas là. Mais voilà. C'est pas très grave, je crois qu'on est d'accord que pas lundi là, mais lundi prochain, c'est lundi de Pâques et lundi c'est férié. C'est lundi, je crois que lundi de Pâques c'est. Oui, je crois que c'est, oui, c'est ça. C'est férié, donc je travaille pas. Je vous ferai un stream du coup en journée. Je pense que je ferai un petit stream comme ça, ça pourrait être sympa pour dédommager un petit peu le fait que j'ai annulé plusieurs streams cette semaine. Enfin, depuis ces deux, trois dernières semaines. Et coucou la girl, je vois que c'est ton premier message. Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Bon, ça va bien en tout cas. Juste pour changer la couleur. Ah, pardon, j'ai pas vu. Oui, en effet, il y a eu un changement de couleur. Et voilà, du violet. Pas bien, mais si on a des streams, tu nous délaisses. Mais pas du tout. Et coucou Jardin, comment tu vas? Bonne soirée, des bisous à vous tous. Merci pour le... Mais de rien, Simset. De rien. Au moins, ça va très bien. Bon, tant mieux. Alors, attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir, vous savez, vieillesse. Tout ça, quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Alors, si, au niveau du planning. Donc, le planning, comme je vous disais, on est sur...
stream bah, du coup mardi, mercredi et vendredi ainsi que dimanche prochain. Il faut que je vois au niveau de la mise à jour. Vous savez qu'il y a la mise à jour du jeu Hogwarts Legacy, pas du tout. Disney Dreamlight Valley, je sais pas quand est-ce qu'elle est, je crois qu'elle est le 4. Il faut juste que je regarde si elle sera disponible pour le stream du mercredi. Si elle est disponible pour le stream de mercredi, on fera du Disney Dreamlight Valley mercredi. Si jamais elle sort par exemple le jeudi, et ben en fait le mercredi soir on fera du Sims. Et le vendredi matin, enfin le vendredi après-midi, on fera du coup du Disney Dreamlight au lieu du Sims, histoire qu'on puisse faire la mise à jour en temps et en heure, quoi. Et coucou Vava, comment tu vas? Je pose mon leurre que vous allez manger. Pas de soucis, bon appétit à tous ceux qui vont aller manger. Moi, je n'ai pas encore mangé. Honte à moi, mais je n'ai pas encore mangé. Voilà. Et bien, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur le jeu. C'est ce que je vous propose. On va passer sur le jeu. Donc, tu, voilà. Et on va surtout mettre... Alors, merci Naox pour le raid. Tu es tombé pile au moment où j'ai changé la scène. Merci à toi pour ton raid. J'espère que tu vas bien. Pourquoi il y a des LED en bleu? Ah, je pense que c'est parce que mon ruban LED est cassé. Attendez, il va falloir que j'aille le réveiller. Alors attendez deux petites secondes. Je vais mettre la petite musique toute douce. De Luffy comme on a l'habitude, voilà, et je vais aller corriger ça. Je reviens tout de suite. Et me voilà. Voilà. Normalement, c'est devenu violet. Voilà. Bah, en fait, c'est juste parce que j'ai un petit bug. En fait, il y a un petit faux contact sur la guirlande de LED, et du coup, je bidouille un peu le câble pour que ça se rende correct. Bah. voilà. Alors, on va charger la partie. Donc, on est sur la map challenge et on va regarder. Je sais même plus où est-ce qu'on en était. Hein, je vais pas vous mentir, je sais plus du tout. Diaporama. Je sens que ce soir, ça va être le stream du fail. Je vous le dis. je sais plus où est-ce qu'on en était dans la construction et tout. Donc, on était à Copperdale, ça, je m'en souviens. Voilà. Donc, en dessous de moi, vous avez du coup la maison qui est en train de défiler. Et je pense que je vais changer le donation goal parce que je vois qu'en fait, comme du coup, c'est des resubs, c'est mal. Attendez, je vais changer le truc du donation goal. On va faire autrement. Voilà. Parce qu'on était à 130 et là, comme ça baisse, il y a des resubs qui ne sont pas pris en compte. Il y a plein de trucs comme ça. Là, on va plutôt faire comme ça. Voilà. Et ici, on va marquer nouveau. Voilà. Attendez. Et validé. Et voilà. Monter à 130, ça en reste bon. Voilà. Alors. Donc, voici où est-ce qu'on s'était arrêté au niveau de la maison. On avait commencé à faire toutes les décorations ici au niveau des toits. Donc là, promis, j'aurais craché, on ne les refera pas, puisque ils sont déjà faits. Et je trouve qu'ils sont plutôt bien réussis. Par rapport aux photos que vous avez en dessous de moi, je pense que la maison est plutôt relativement bien ressemblante. Là, petit lag. Mais bon, en tout cas, je suis très content déjà du rendu promis que l'on a réussi à faire. On va venir... alors là, on a un... petit souci. Ce que j'aimerais bien faire, c'est en fait... Imagine, je ne peux pas. Bah oui. Là, on a un petit bord blanc là, et on l'a pas ici et là. Bon, c'est pas grave. Et coucou Julie. Allez, je vous abandonne. Bonne soirée. Pas de soucis, Mélanie. Encore merci à toi pour ton resub. Ça m'a fait super plaisir. Merci beaucoup. Alors... Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Internet, comme d'hab, avec ma tablette. Vivement que j'ai mon troisième écran. J'ai toujours pas eu ma paye, hein, donc pour l'instant, le troisième écran n'est pas encore acheté. Dès que j'ai ma paye, je m'achète du coup le troisième écran, qui était du coup le précédent donation goal. Enfin, sub goal, plutôt. Donc voilà. Alors, attendez. Là. Merde. Ok. Donc... Alors forcément, je n'ai absolument pas fait mes recherches comme je devais normalement le faire pour la maison de Sex Education. Donc je sens qu'encore aujourd'hui, ça va être un peu la galère. Mais écoutez, je pense que vous aimez bien la galère. Hop là. Ouais, sinon, vous, comment s'est passé votre week-end, les gens?
Et coucou Julie. Coucou, coucou. Comment s'est passé votre week-end? Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Dites-moi tout. J'ai envie de savoir. Qu'avez-vous fait d'intéressant? Alors, au niveau des balustrades, on est un peu sur ce style-là, mais en plus espacé. Ah, en vrai, ça pourrait peut-être bien rendre. T'existes en blanc? T'existes en... Ouais, non. Peut-être ceux du jeu de base, en vrai. Ceux-là? Non, trop gros. Heureux possible, parce qu'il y avait des streams. Tout pas mal. Coucou Sinoc, comment tu vas? Coucou, fatigant mais amusant, j'ai joué pas mal ce week-end. T'as joué à quoi, Sinoc? Ménage. Alors, à la base, moi, ce qui était prévu, c'était que je fasse du ménage. Voilà. C'est ce qui était prévu. Non, en tout cas, je vous ai dit, je suis resté jusqu'à 15h30 hier dans mon lit. Voilà. Je n'ai vraiment... Mon week-end n'a pas été très productif, hein, globalement. Mais alors, vraiment pas du tout. Mais ça va bien, Sinoc. Ça va bien, ça va bien. Ça non. Qu'est-ce qu'on pourrait être ici? C'est pas joli ça. Ça non plus. En vrai, je pense que je vais mettre celle-ci. Hein. On va mettre celle-là. Dans un premier temps, on va faire ça. J'ai joué à Left 4 Dead et Mario Kart 8 Deluxe. Et pas mal parti. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Bah moi du coup... Alors si! Attendez quand même. J'ai quand même fait quelque chose. C'est vrai que je ne l'ai pas posté sur les réseaux sociaux. J'avoue, j'ai totalement zappé. Mais sachez que ici présent, vous avez Mr. C qui a terminé officiellement Hogwarts Legacy à 100%. C'est le premier jeu que je platine sur PS5. Je l'ai terminé à 100%. J'ai fait toutes les quêtes. J'ai récupéré tous les objets. J'ai tout récupéré. Ah, et les GG sont cassés. Attendez, je vais réparer ça. Je sais pourquoi. Parce que Mr. C, il a balancé le Wisebot. Ah là là, je lance ça, Wisebot. Yes, panel de stream. Dashboard, et on se met genre. Voilà. Là, normalement, si on fait les petits points d'exclamation, on les entend. Donc voilà. Alors normalement, de ce que j'ai compris, la barrière, elle va s'arrêter à peu près là. Voilà. Ça, c'est pas supposé être aussi gros en plus. Hein. Donc on va réduire ça d'un cran. On va faire ça. Hop. Je trouve que globalement comment le jeu... Alors le jeu pour l'avoir fini, écoutez, moi j'ai beaucoup aimé le jeu Hogwarts Legacy. Il n'est pas parfait, on va pas se mentir, il n'est pas parfait le jeu, mais je trouve que ce qu'il propose, il est vraiment incroyable. On a vraiment cette sensation de monde ouvert qui nous avait été promis, et ça c'est vrai, on a vraiment cette impression-là, et moi je surkiffe cette impression. Voilà, l'histoire est très sympa, c'est une histoire un peu bateau, mais elle est très très cool. Après, le seul truc que je regrette un peu, c'est que les quêtes secondaires, franchement, à part les quêtes d'amitié, les quêtes secondaires, elles sont vraiment éclatées au sol. Genre, c'est aller chercher tel machin dans tel truc, enfin, en fait, c'est un peu redondant et répétitif. Si on enlève ce côté-là, le jeu est très bon. Vraiment, moi, le jeu, j'ai kiffé. J'ai vraiment plaisir à jouer, quoi. Et coucou Marilyn, comment tu vas? Vraiment, j'ai vraiment kiffé. Et du coup, j'aurais terminé le jeu en 80 heures. Voilà, à 100%. Alors, j'ai eu quelques petits bugs qui m'ont fait rire. Bof, mais bon... Ah mince, j'espère que ça va aller mieux, que c'est rien de trop grave. Écoute, moi, ça va. Ça va. Je me suis vraiment beaucoup reposé ce week-end. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien. Oh, c'est intéressant, ça. Alors, je pourrais mettre le truc rouge. Non, je peux pas mettre le truc. Le jeu, pourquoi tu m'autorises pas à faire ça? Le jeu, pourquoi tu es aussi méchant? J'ai eu peur. Bon, voilà. Comme ça fait un peu passe-partout et ça passe mieux.
Trop s'embrouille avec mon mari. Ah mince! J'espère que ça va aller mieux. Demain, nouvelle semaine et après vacances, je vais profiter de mes filles. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Ça, tu vas profiter de tes enfants. C'est relativement une bonne nouvelle. Alors, voyons voir un petit peu ici. Ici, on a bien les deux fenêtres comme c'était prévu. Là aussi, ici. Je veux dire par rapport aux photos que j'ai, moi, de mon côté. Donc là, on est plutôt bon. Je vais juste peut-être à la limite changer la couleur de cette porte. Un peu perturbant qu'elle soit bleue. Hop là. Là, on a un bug. Voilà. Le bug est corrigé. Oh non! Ah, je le fasse à la main. C'est pas grave. Tu as réussi à faire... Ouais, on a réussi à faire tous les trucs pour le toit. Alors... Attendez, il faut mettre le petit... Ça... Mince. Voilà. Le petit Delection Protection. Et regardez. Hop là. Mais ouais, on a réussi. Je trouve que ça rend très très bien, moi. Voilà. Ah, il va falloir que j'utilise le Delection Protection assez rapidement. Parce que ça va être un peu chaud. Très beau chapeau. Ouais, franchement, c'est pas mal. Hein. Je suis vraiment très satisfait pour l'instant de à quoi ça ressemble. Alors, est-ce que j'aurai d'autres photos de la maison? Là, ah voilà. Là, j'ai l'angle avec l'entrée. Alors, en fait, le seul souci qu'on va pas pouvoir faire, c'est qu'en fait, techniquement, l'entrée, elle se fait par là, sur le côté, avec une pente comme ça. Sauf que bah, c'est pas possible, sauf qu'il faudrait que je fasse la maison dans un trou. Et bah ça serait moche quoi. Je pourrais hein, mais je pense que ça serait vraiment dégueulasse. Je pense qu'il faut vraiment que je réfléchisse par rapport à une logique. Donc on va bidouiller. Je pense qu'on va quand même monter la maison artificiellement avec la peinture de terrain. Coucou Sandal, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Et merci à ceux qui me follow sur TikTok. Merci beaucoup. Merci, merci, ça fait super plaisir. Là, on est quand même vraiment pas mal, je trouve. Ça va, écoute, ça va très bien. Ça va très très bien, j'espère que toi aussi. Ouais, on est pas mal du tout, là, j'aime bien. Ouais, qu'on puisse se construire sur des pentes, comme sur les flancs de montagne. On pouvait, dans les Sims 3, on pouvait faire un truc similaire. C'est pas tout à fait pareil, mais on pouvait. Ah, attends, j'essaie de comprendre un peu, parce que là, de ce que je vois... Là, ici, on a des escaliers qui font ça. En fait, après, on a un chemin. Après, je pense que le chemin, il fait le tour de la maison. Ah, là, j'ai une photo super intéressante. Ah, là, j'ai une photo de ce qui me manquait. Là, je vous confirme bien... Il y a ici une porte. Je sais pas si tu as vu, je t'ai tagué sur un TikTok de siège gaming pour toi et ton chat. Oui, j'ai vu, j'ai totalement oublié de répondre. Mais oui, j'ai vu, je te répondrai après. Mais oui, j'ai vu, ça m'a fait rire ce matin. Ça roule même si la police m'a réveillé ce matin en cherchant quelqu'un qui ont tombronné à toutes les portes. Ah merde! Et coucou Passion Miniature, je suis en train de construire la maison de Sex Education de la série qui est sur Netflix. Voilà. Je sais pas si tu as... Bon, j'ai lu. À partir de demain, pendant 3 jours, je passe le concours pour devenir officiellement prof. Oh bah bon courage, Irénia. J'ai des amis qui sont professeurs et qui l'ont passé aussi. Je sais que c'est pas forcément quelque chose de simple à passer, donc bon courage à toi. Alors, le problème, c'est que là, ça va être très moche si je fais ça. Elle est à pop magnifique. Et tu l'as trouvé en emplacement? Toujours pas. J'ai toujours pas. Les trois Funko que j'ai reçus, là, j'en ai mis qu'une. J'ai pas encore mis la boutique de Fred et Georges parce qu'il faut que je déplace l'intégrité de mes Funko Pop, là. Là, tout ce qu'il y a derrière, il faut tout que je bouge de place. Donc, alors, je devais faire ça. J'avoue, je devais faire ça ce week-end. J'avoue, j'ai eu la flemme. Vraiment, j'ai eu la flemme de le faire. Mais sinon, je l'aurais fait. Mais flemme.
Ah si, il y a une espèce de porte. En vrai, c'est la même porte qu'il y a de l'autre côté, mais... Et vous savez que cette porte-là, elle est même pas bonne, en plus. En fait, c'est cette porte-là qui a... Bon, elle est un peu plus carrée, normalement, mais... Cette porte-là, et elle est noire au lieu d'être bleue. Ouais, ça... Bah, en vrai, c'est plus cette porte-là, en vrai. Le problème, c'est qu'elle est bleue. C'est ça qui m'enquiquine un peu. Elle devrait être noire, normalement. Le problème, c'est qu'on n'a pas cette couleur en noir. Bah, et ben non. Mais bon, je pense qu'on va changer, on va plutôt mettre l'autre. Parce que c'est celle qui correspond le mieux. Ou alors, je pense pour que ce soit moins choquant, on va la mettre en blanche. Je pense qu'on va la mettre en blanc, ce sera moins choquant. Tant pis. À choisir, je préfère la laisser en blanc plutôt que la mettre en bleu. Bleu et rouge, ça va pas du tout. Un petit coup de sauvegarde. Ici, on a bien la fenêtre. Là aussi, on les a. Alors ici, c'est plutôt une plus petite fenêtre. Mais pour un souci de... Dans les Sims, pour un souci de trucs jolis, on va mettre les mêmes styles de fenêtres. De toute façon, ça va être moche. Mais oui, bonne chance, bonne chance. Voilà. Ici, on va faire... Alors, en fait, on va enlever l'escalier. Ouais, merci pour la boire. Et cette fois-ci, j'ai tout prévu. J'ai la courne avec moi. Aïe. Voilà. Et puis là, j'ai faim. Alors, j'ai faim, j'ai pas encore mangé. Hop. Gourde aux couleurs de Twitch. Ah oui, alors moi, je suis corporate. Hein. D'ailleurs, j'ai très, très hâte d'aller à la TwitchCon, puisque je vais sûrement racheter d'autres choses. Quoi encore, je ne sais pas. On va voir en fonction du merchandising. Mais j'ai plutôt hâte. Ouais, bon, je suis un peu pigeon sur les bords. Hein. Vous avez bien vu toutes les Funko Pop que j'ai, hein, forcément, que j'allais acheter. Alors, après, on va faire un petit truc comme ça. Après, on va venir lisser un peu le terrain pour que ça fasse ça de manière assez jolie. Voilà. Je veux pas les petites traces là, pas jolies. Voilà. Au lieu de faire l'entrée en contrebas, tu as surélevé, c'est sympa comme idée. Bah, en fait, ouais, j'ai pas le choix. C'est la seule manière de faire un truc à peu près bien. Par contre, ici, il faudrait que je fasse une falaise. C'est ça le problème, en fait. Il faudrait que je surélève la maison. Mais on avait vu la dernière fois que si je fais ça, ça va bugger, regardez. La fois que j'ai fait ça, j'ai les décorations de toit qui bougent pas. Et certaines décorations... Toutes les décorations de toit, elles restent. Au début, ce que je voulais faire, c'est vraiment la faire surélever. Parce que normalement, elle est supposée être surélevée. En vrai, est-ce que je la surélèverais pas quand même? Ah bah, lunettes, ah bah, carrément. Ok, bon bah, ok, j'ai compris. On va être tenté de la surélever. Un peu, pas trop, mais un petit peu quand même. On va peut-être la surélever comme ça. Et merci Julie pour le follow. Merci beaucoup. Merci, merci. Et décidez pas, vous avez décidé de m'enquiquiner aujourd'hui, là, de ce que je vois. Alors, après, pour ce qui est monter tous les objets, ça va pas être très compliqué en réalité. J'ai juste à cliquer, à tous les sélectionner et on va tous les monter en une seule fois. Que, en principe, si c'est plutôt bien fait. Ils sont tous montés de manière logique, si je puis dire. Ça, par contre, qu'est-ce que c'est? Ça sort d'où, ça, hein? Ah oui. C'est ce que j'avais mis là. Ok. Je pense qu'à l'avant, c'est pareil. Bingo. Et puis alors, à l'avant, ça a tout bougé. Ah. Ah ouais, à l'avant, c'est l'intégralité de ma déco qui a sauté.
Mais c'est pas grave, on va tout bouger. Je crois en nous. Alors. Qu'est-ce que j'ai fait? Arrête de me griffer, Noxu. Faudra penser à toutes les jolies samedis sera notre fête. Ah bah écoute, je ne savais pas. Et merci pour la rose, Charlotte, merci beaucoup. Merci, merci à ceux qui sont sur TikTok. J'espère que vous allez bien. Alors Noxy a dormi avec moi tout à l'heure parce qu'en sortant de mon repas de famille, je suis arrivé du coup chez moi, il était 18h30 je crois. J'ai été mettre de l'essence d'eau et puis il y avait du monde, je sais pas ce qui s'est passé là, il y avait un monde fou pour aller mettre de l'essence. Et après je suis allé me poser dans le lit, j'ai regardé mes vidéos YouTube que j'avais en retard. Et puis bah, j'ai regardé tout ça quoi. Et elle a dormi avec moi. Brave petit chat. Qu'est-ce que t'as, Noxy? Qu'est-ce que t'as là, ce soir? Je vois bien quand même sur tes lunettes. Oui, je vois très bien sur mes lunettes. Ah, ok, j'en ai là aussi. En fait, le seul hic, c'est qu'en fait, si je mets pas mes lunettes pendant plusieurs heures, c'est juste que je vais avoir une migraine si je suis devant un écran. C'est juste que je sais que ça. Les gens qui sont habitués à me voir avec des lunettes, du coup, ça les perturbe de me voir sans. Mais oui, non, je vois bien, hein, sans mes lunettes. Noxy, si tu continues à me griffer, je vais te griffer moi-même. Est-ce bien compris? Voilà. Moi, sans mes lunettes, sur quoi ça me brûle les yeux? Bah, moi, ça me brûle au bout d'un certain temps, mais bon, faut y aller quand même avant que ça le fasse. J'ai un des poteaux qui doit servir à rien, parce que je peux pas le sélectionner. Hé, tu arrêtes? D'ailleurs, tu es puni, tu vas loin de moi. Voilà. Bon, on va faire un test. Élévation, je pense qu'il faut au moins que j'augmente de 3. Je pense qu'il faut que j'augmente de 1. Un petit moins 0,5, je pense que ça va être trop. Yes. Élévation 0,2. Élévation 0,01. 0,02. Allez, encore. 0,02. Je pense qu'on est bon. Au millimètre près. Et coucou Alexia, comment tu vas? Voilà. Merci Alexia pour ton resub. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. Merci à toi. Merci pour ton 25e mois d'abonnement. Merci. Eh bien, toi, écoute, ça va. Ça va. Remis de tes émotions à l'aquarium. Et en vrai, on a bien réussi. Ah, alors oui et non. Je viens de constater avec effroi que... On a bien monté celui-là. Moins 0,5... 0,3 moins 0,1 élévation 0,25. Ah, enfin, je me suis trompé. Encore. Et voilà. Ah non, du coup, mes fenêtres ici elles ont sauté. Bon, c'est pas grave, je vais les remettre. Ok, en tout cas on est pas mal. MDR, oui, je te l'avais dit, j'ai peur, mais si je me baigne avec eux, j'ai pas derrière une vitre. Bah, je sais pas, hein. Pour ceux qui me connaissent pas et comprennent pas, j'ai une peur bleue des poissons. Bah, il me semblait que déjà quand t'allais dans une poissonnerie, t'aimais pas ça, hein. Donc bon. Alors, bah, du coup, ça, attends, on va casser parce que ça va m'emmerder. Du coup, ça, c'est pas bon. Voilà. Là, on va faire du terraforming. Vous savez que j'adore le terraforming. C'est faux. Le terraforming dans ce... Merci.
Nathiel, merci à toi pour ton raid. Coucou tout le monde, comment ça va? Comment ça va tout le monde? Est-ce que vous allez bien? Comment allez-vous? Est-ce que ton stream s'est bien passé? Et coucou Kato, comment vas-tu? Et coucou Starless, comment ça va? Et coucou ta taboulette. Et merci Natsu pour le follow, merci beaucoup. Merci. Ça fait super plaisir. Comment ça va tout le monde? Et coucou FC. Et merci FC pour le follow. Et merci Kato pour le follow également. Alors, attends, je vais remettre mes lunettes. Ça va et toi? Eh ben écoute, ça va. Ça va. Oui, j'avais oublié tes cheveux. Non, mais là, mes cheveux, c'est une catastrophe. Hein. Je n'en peux plus. Coucou Melati, coucou Herman, comment ça va? Merci pour vos follow, ça me fait super plaisir. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis en train de faire la maison de Sex Education dans, de la série Sex Education qui est sur Netflix. Je sais pas si vous la connaissez. Hop. Et bonsoir le raid. Mais oui, ça va très bien. Coucou Tinkerwell. Ah bah oui, je me disais bien qu'il me manquait quelque chose sur ta tête. Bah oui, non, mais c'est ça. Ouais, je sais, la caméra a quelques petits soucis. Et coucou, comment ça va sur TikTok également? Encore? La maison de Tiswe, ouais, c'est la maison de Tiswe. Coucou Matsu. Bon bah tu vois, ça va et toi? Bah écoute, ça va bien. Vous étiez sur quoi? Je pense que vous étiez sur du Sims. Mais oui, en tout cas, ça va très bien. Merci Nathiel. Ah, attendez, autorisé. Si mon prêtre, c'est Adam. Adam, je sais plus les noms. Je sais plus qui est qui dans cette série. Et coucou, bah t'inquiète, comment ça va? Bah écoute, ça va bien. Alors là, je pense qu'il va falloir faire quelque chose d'un petit peu plus bas, genre un petit truc comme ça. Alors, on va faire un joli terraforming. On va essayer. Mince. Dit-il, puis qui n'y arrive pas du tout. Voilà. Alors, non, j'étais sur du Mario Kart. Ok, et comme j'ai découvert les Sims hier, personne ne voulait avoir du Sims. Ok, bah écoute, ici c'est très tranquille, très chill, comme d'hab. Et puis voilà, du coup, on est sur la construction célèbre. C'est mon rendez-vous du dimanche à 19h30. C'est construction célèbre. Hop. Et là, je crois que d'après la photo... Ouais, ici, ça est en contrebas, ici. Enfin, un peu plus bas. Ça, les gars, ça va être un calvaire à... Ça va être un calvaire à terraformer cette chose. Je crois peut-être que je le fasse plus haut. Non, pas autant. Non, mais je me suis trompé de touche. En tout cas, bah, j'espère que ton stream s'est bien passé. Bon, s'il a dû bien se passer quand même. Voilà. Hop. Oui, ça avec son père est trop triste. Ah oui, c'est la maison de Charmed. Du tout, Rico. C'est la maison de Sex Education. Mais la maison de Charmed, je l'ai déjà faite. Elle est d'ailleurs disponible sur ma galerie. Après, je joue encore normalement. Je fais pas de construction. Je rêve de pouvoir faire la même chose pour le coup. Pour l'instant, je découvre le jeu. Bon courage. Les Sims, la construction, c'est de la patience. Je pense que la construction dans les Sims, c'est de la patience et à la fois un petit peu de sadomasochisme. Un petit peu. Alors, je pense qu'il faut aimer souffrir pour construire sur les Sims. Avec un léger syndrome de Stockholm. Hop là. Je n'aime jamais rien que cet outil d'ailleurs, je comprends, c'est pareil. L'outil est un peu mal codé, quoi. Après, mal codé, les Sims, bon, ça va de pair. En fait, ce qui est assez compliqué dans cette maison, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de... Comment dire, il y a beaucoup de dénivelé. Et en plus, normalement, elle est dans une cuvette, en fait, la maison. Non, mais ils ont essayé de faire un couple polygame dans le jeu, sauf que bah, ils étaient un peu jaloux. Alors oui, ça, tu peux pas trop le faire dans les Sims. C'est un peu chiant. Et son live était un poisson d'avril qui s'est retourné contre lui. Ah bah alors ça... Ah, c'est pour ça, je n'ai pas fait de poisson d'avril parce que ça peut toujours se retourner contre nous. À force de te voir jouer, je me suis enfin décidé à améliorer ma maison dans les Sims aujourd'hui. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Je reproduis une construction qu'il faut terraformer. J'ai qu'une envie, c'est de télécharger sur la galerie. Je comprends. Le terraforming dans le jeu. En fait, le terraforming de base, on ne l'avait pas.
les gens ont gueulé, et en fait, on nous l'a donné, et il a... C'est pas qu'il est codé avec les fesses, mais on sent qu'en fait, c'était pas quelque chose de natif dans le jeu, et que du coup, bah, ça répond pas correctement, quoi. Le jeu fait des trucs qu'il serait pas supposé faire. Alors, pourquoi je peux pas? Voilà, et alors là, on va... ici, par contre... Ici, on va faire des falaises, parce que d'après les photos que j'ai... On est sur de la falaise. Hein. On est sur de la falaise ici. Hein. Surtout le pourtour, là. J'ai raté quoi, le passage du pape? Ah ouais? Bah dis donc. Mais je pense aussi, en soi, mais elles sont juste pas au courant. Ouais, bah c'est ça. En fait, tu peux pas faire de relations polyamoureuses dans les Sims. Ou alors peut-être avec des mods. Je pense qu'avec des mods, ce serait faisable. Vas-y, on va mettre des rochers, hein, donc vous inquiétez pas si c'est moche. Et là, ici, on va venir un peu bah, lisser tout ça. Pour ça rendre un peu moins moche. Et surtout praticable pour les Sims. C'est surtout ça l'essentiel. J'ai un peu peur que ça soit très moche. Mince. Ouh, ça va être compliqué cette histoire. Ça va être complicado. Ça lisse, mais en même temps... Hop. Pour que les Sims puissent accéder à la maison. Un mode adulte pour faire des trucs. Alors, il y a un mode adulte qui s'appelle le Wicked Sims, mais attention! Ne t'avise jamais de streamer avec ce mode. C'est un mode littéralement porno dans les Sims. Je tiens à le dire. Donc surtout, ne vous avisez jamais, si vous êtes streamer, à streamer avec ce mode. Hein. Parce que vous n'êtes pas prêt. Hein. Attendez, là je trouve ça très mince. Je trouve ça très moche ça par contre. Ah non. Voilà, fais ça. Je pense que ça sera plus joli. Ah il me casse les... Et... Oh. Terraforming de mes deux là. Le problème c'est que je pense que j'ai pas assez d'espace. En plus, le problème du terraforming dans les Sims, c'est vous voyez, à partir du moment où on voit la terre, vous ne pouvez pas, c'est vraiment, hein, vous pouvez pas colorier le sol à cet endroit-là. Genre là, cette démarcation dégueulasse, là, elle sera tout le temps là. Donc, il va falloir qu'on trouve une solution avec des objets et tout pour la camoufler. Et vraiment, ça, c'est ce qui m'énerve le plus dans les Sims. Mais attendez, je suis teuteux, j'ai qu'à reculer la maison. Si je la recule comme ça... Après, techniquement, dans une piscine, c'est autorisé sur Twitch. Le mode Wicked Sims, c'est vraiment, c'est porno, hein. Vraiment. C'est pas érotique. Je reste à l'heure que je pars sur Valo. Pas de soucis, bah bon Valo à toi, Matsu. Hop, jeu auquel je ne joue absolument pas. Oh, comment ça me casse les pieds. Alors ouais, ici, on s'énerve souvent sur le jeu. Mais bon, à raison, il me fait des trucs moches, là. Voilà. Ok, donc là, pour que ce soit moins dégueulasse, on va tout simplement rajouter des cailloux. Donc rien comme s'ils étaient dans la vie réelle, pas cachés, pixelisés. C'est exactement ça. Hey coucou Clo, comment tu vas? J'espère que tu vas bien.
Alors, en vrai, de vrai, non, c'est des palissades en bois qu'il y a ici. Mais je trouve que ça serait très moche. On va essayer de rendre ça... moche, ces cailloux. Ceux-là, je suis pas fan. Ah, oh, ceux-là, faut... Bref, non. Faut des cailloux gris. Non. À la recherche des cailloux. Ah bah ceux-là. Parfait. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire élévation moins 0. Élévation moins 0, 3. Ça dépasse un peu, mais après, il y a moyen de corriger ça. Là, après, on va rajouter ce caillou-là. Voilà. Par contre, tu peux mettre des CC. Oui, c'est vrai que tu peux. Tu peux. Fais attention, on tombe vite accro. Ouais, faut faire gaffe avec les mods, hein, parce que dès que tu en commences à en mettre un ou deux, après, tu perds ton âme. Pour ça, moi, j'en mets aucun, mis à part des modes de construction, parce que sinon, je passerai mon temps à en installer, quoi. Je me rappelle plus, mais tu copies comment avec le mode tool? Je sélectionne l'objet, j'appuie sur la touche Shift et la touche Alt, et je clique là où je veux que ça se duplique. Tout simplement. Voilà. Enfin, j'ai pas fini de préparer mes affaires, du coup, je peux te regarder ton truc. Bon, trop bien! C'est toi qui a construit toute la maison. Ouais, c'est moi qui ai construit toute la maison, là. Ça fait plusieurs streams que l'on est dessus, mais oui, c'est bien moi. En vrai, c'est super bien fait. Bah, merci. Voilà. Là, ici, il va falloir qu'on rajoute un caillasse. On remercie le mode tool, hein, parce que vraiment, il me sauve la vie. Ah bien entendu, même si vous n'avez pas le mode tool, vous pouvez quand même télécharger mes constructions. Ça dépasse beaucoup. Bon, c'est pas grave, je vais mettre des objets à cet endroit-là. Et coucou, soyez, comment tu vas? J'adore ta maison, vraiment. Merci beaucoup. Merci. Pourquoi le mode tool? Alors, le mode tool, c'est tout simplement un mode qui me permet de pouvoir sélectionner les... Mince. Pouvoir sélectionner les objets. Oh, il y a pas... Là, ici, je donne la porte. Et, je vais y arriver. De la dupliquer, comme je le souhaite. Mais surtout, c'est tout simplement de pouvoir la mettre à l'échelle. Tu sais, dans les Sims, on peut réduire et agrandir des objets. Mais c'est que de manière... à certains crans. Là, par exemple, si je veux mettre la porte en 0,5, hop, je la réduis. Mais si je la veux, genre, un chouïa plus petit... Je la mets en 0,45. Alors, raté, j'ai fait élévation. 0,45. Hop, tu vois, je l'ai un tout petit peu réduit. Là, par exemple, si je veux faire une rotation, je peux bien sûr faire 90 comme ça. Mais je peux également faire une rotation inverse. C'est-à-dire que je peux la mettre dans un... La tordre. Hop là. Je peux faire ça. Hop là. Je peux également faire des élévations comme je veux. Vraiment ultra précis. Et tu peux faire des trucs assez incroyables. Par exemple, je te montre. Les décorations de toit que j'ai faites ici, ce sont des planches, tu vois, que j'ai utilisées avec le mode tool et que j'ai fait des rotations dessus. Et c'est avec ça qu'on peut faire avec le mode tool. Ça, c'est plutôt bien. C'est incroyable ce que tu fais, merci beaucoup. Dans 2 mois, on est déjà à la Pride. Oui, au mois de juin, en effet. En effet. Élévation, là on va faire moins 3, je pense. Élévation moins 1. Mince. C'est pas mal, mais ça je trouve que c'est... Mince. On va la décaler, parce que je croyais qu'elle était trop... Voilà. Parfait.
Ok, merci. Bah, en fait, j'ai fait plusieurs tutos sur mon TikTok, si jamais tu veux voir un peu plus à quoi ça ressemble. On peut vraiment faire des choses incroyables avec le mode tool. Hein. Et encore, moi, je me cantonne vraiment à du très classique. Et hey, coucou Shiyoko, comment tu vas? S'il est pas mis à jour. Pour l'instant, ils sont à jour. Le mode tool est tout le temps à jour, en vrai. Quand tu sens le mode tool, moi non plus, je pourrais plus. Ça va et toi? Bah écoute, ça va bien. Comment on obtient le mode tool? Alors, il faut que, déjà que tu sois sur PC ou sur Mac. Sur console, ça ne fonctionne pas. Tu vas savoir sur le site du créateur, tu tapes mode tool, T-O-O-L, et tu pourras le télécharger sur Internet. Alors, sache que j'ai fait un tuto, si je me souviens bien, pour le télécharger sur mon TikTok. Donc, si jamais tu veux aller regarder les vidéos... Voilà. Celle de ma ville sort le 17 juin. Et merci Charlotte pour la rose également. Merci beaucoup. Je vous laisse à mardi pour un nouveau stream. Pas de soucis, Marilyn. Pas de soucis, pas de soucis. Bah, des bisous à toi. Et à bon courage. Là. Voilà. Moi, c'est le 13 mai, je suis dead, je ne serai pas chez moi. C'est juin, tu veux dire? Parce que normalement, le mois des fiertés, c'est supposé être le mois de juin. Élévation, moins 4. Alors, élévation moins 1. Yes, c'est pas trop mal. Ici, on va rajouter encore des cailloux. Voilà. Je vais devoir quitter ton stream. Je vais m'alimenter de pâtes. Ah, plus pâtes sous CFC. Bon appétit à toi. Bon, après le stream, il faudra que je mange aussi, parce que j'ai toujours pas mangé. Enfin, vous direz sur cette table à 17h, mais enfin quand même. Non mais Arlong, ils sont toujours à la ramasse, ils sont vraiment débiles. Hein. Hop, attends, excusez-moi, je reprends juste un message. Alors sur pas de famille, c'était long. La sûr, chez moi elle était 25 000. Oh, ça va pas mal. Hein. Ma soeur là en même temps. Ah, attendez, faut que je vous raconte un truc. Bon, c'est pas très... C'est pas très joie. Genre ce matin, je me réveille et je reçois un message de mes amis, enfin de mes meilleurs amis d'enfance. Et qui me disent, ah, Clément, t'es pas au courant de la dernière nouvelle et tout. Bah, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a eu une course-poursuite dans la ville de mon enfance. J'ai pas habité à Orléans même quand j'étais enfant, j'étais à côté, j'étais dans la banlieue, quoi. Et en fait, il y a une course-poursuite avec une fusillade en plus à Orléans, enfin, tout va bien. Et bah, en fait, j'ai découvert qu'une des victimes, c'était une personne que je connaissais. Alors, attention, ça ne fait absolument rien dans le sens où, de toute façon, j'ai perdu du depuis des années, mais... quelqu'un à qui j'étais ami en maternelle. Quand elle m'a dit ça, elle dit mais non. Et en fait, ça fait bizarre de se dire que ouais, ça touche un peu n'importe qui, notamment des gens qu'on connaît, quoi. Notamment, d'accord. Quand je me suis réveillé ce matin avec cette nouvelle, j'étais ok. Un peu étrange. Mais ouais, c'était un peu bizarre comme réveil ce matin. Toujours plus long, là, pardon, mais c'est ça. Et coucou Flavie, comment tu vas? 13 mai Angers. Mais ils sont un peu teuteux, ils ont pas compris que non, c'est pendant le mois des fiertés qu'ils vont faire la Pride. En principe. Ils peuvent ils la font quand ils veulent, mais enfin bon. Ils vont pas être au courant parfois. Bah ouais, on m'a raconté ça ce matin, j'étais en mode ok, bon. Que faire de cette information? Ah, c'est triste quoi, c'est dommage pour la famille quoi.
Et coucou Liam. Je préfère. Après. Et attends, à Orléans, au mois de juin, il n'y a pas les trucs de fête de Jeanne d'Arc ou je sais plus quoi. Il n'y a pas un truc du genre. Ce serait pas improbable qu'il y ait un truc comme ça. N'en parle pas, un gamin dont je m'occupais au collège est parti faire... Ah oui. Ah bah tu m'étonnes, Sandal. Trop beau. Attends, les fêtes de Jeanne d'Arc, c'est quand? Je suis sûr, 100% que c'est ça. Sûr, c'est à cause de ça. Ah bah non, même pas. Bah même pas, les fêtes de Jeanne d'Arc, c'est du 29 avril ou 8 mai. Je sais pas, j'y vais jamais. La dernière fois que j'y suis allé, c'était en 2012. Alors moi, j'habite à Orléans depuis que je suis petit. Hein. Enfin, dans la région orléanaise, en tout cas, depuis que je suis tout petit. Je crois que j'y suis allé une fois. Et parce qu'on m'avait forcé. Et coucou, Matt, comment tu vas? Vous voyez, bon, le mode tool c'est un peu long, mais on peut réussir à faire des petits trucs sympas. Après, ici, on va mettre des plantes et tout. Ça me fait penser à Kaamelott et Arthur qui veut pas aller à la fête de l'hiver. Non, mais c'est ça. Mais en fait, moi, enfant, mes parents, ils me traînaient des trucs. Moi, j'étais en mode, mais je veux pas, en fait. Genre, laissez-moi tranquille. Mais j'ai les touches du PC, elles ne fonctionnent plus. Ah! Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va faire la même ici, je pense. Sauf que là, il va vraiment falloir que je le baisse. Parce qu'il faut pas que ça rentre dans la maison. Oula. Moins 4. Trop. Élévation 2 même. Ah oui, non. Et merci à la petite du 68, merci à toi pour le follow. Merci et coucou à toi d'ailleurs. C'est un grand mystère. Ça, ouais, ça rend bien. De toute façon, cette maison-là, il va y avoir un très gros travail sur l'extérieur. Alors après, ne vous cache pas que ça m'arrange aussi d'un peu, ralentir le commencement de l'intérieur. J'ai trop trop peur de l'intérieur. L'intérieur, il va être super dur à construire. Coucou Légion, comment tu vas? J'espère que ça va mieux. Un sacré challenge. Ah bah oui, bah là, oui. Après, c'est un sacré challenge, mais souvent, les maisons qu'on fait comme ça, c'est souvent du challenge. Hein. Moins deux. Alors, à mon avis, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire ça. Puis on va venir te... j'aime pas quand le jeu fait ça. Bon. Viens là, toi, petit escalier. Voilà. De toute façon, on va pouvoir mettre un rocher ici. Je me sens hyper fatigué. Week-end pas tip-top, mais on fait avec. Et toi? Mais écoute, moi, ça va. Je me suis pas mal reposé ce week-end. Littéralement, je me suis réveillé hier. Il était... 9h30, je suis sorti du lit, il était 15h30, j'ai passé ma journée au lit. Et vous savez quoi, ça m'a fait trop du bien. Donc c'est entre autres aussi pour ça qu'il n'y a pas eu TikTok ce week-end. Voilà, parce que j'avais plus communément ce qu'on appelle la flemme. Ah bah attendez, ça va se voir dedans ça. Oh merde. Attends, il n'y a qu'un peu de chance. Peut-être légèrement le baisser. 0, 2. C'est trop, je pense. Ah, même pas. Pas choquant. On va faire un petit coup de sauvegarde quand même.
Je dois y aller. Salut, pas de soucis, Kato. Bah écoute, merci à toi d'avoir été là ce soir. Merci également pour le follow. Et à la prochaine. Le prochain stream, c'est jeudi. Jeudi, n'importe quoi. Mardi à 19h30 sur la rénovation des mondes. J'ai réussi à trouver des plans. Non, je n'ai pas encore trouvé. Mais en vrai, j'ai pas cherché. Merci Clayton pour le flow. Merci beaucoup. Merci, merci, ça fait super plaisir. Je vois que ma caméra saute, c'est insupportable. Attendez. Je sais pas trop pourquoi la caméra a fait ça. Ah oh. Vous auriez pu me dire que derrière c'était bleu. Et coucou Clayton, je viens de chez Nathan. Alors, il n'y a pas de souci. Attendez, je reviens deux petites secondes. Je t'admire. Ah, oh, bah, merci, Matisse. Mais en plus, elle est mauve, non? Oui, alors en fait, elle devait. Ouais. Hop là. C'est mieux, je pense. Bah, je viens de découvrir. Non, mais t'inquiète. Désolé, mais j'ai pas entendu la réponse. Comment on obtient le mode tool? Alors, pour obtenir le mode tool, c'est très simple. Il suffit uniquement d'aller sur le site du créateur. Tu tapes mode tool et tu vas le trouver. Il est sur son Patreon, c'est gratuit. T'étais en kilt. Non, j'ai un plaid, j'ai froid. Non, j'ai juste froid, c'est tout. Pourquoi ça met ça? Ça, j'aime bien l'idée, ça. J'aime beaucoup. Après, pour ceux qui me demandent sur TikTok pour le mode tool, n'hésitez pas à aller regarder littéralement sur mon compte TikTok. J'ai déjà fait des tutos de comment est-ce qu'on installait le mode. Donc ça serait plutôt celle-ci en gris. Elle existe en gris ou pas? Bah, la réponse est non. Toi, t'existes en gris? Toi, t'existes en gris. C'est un truc comme ça en plus. Très bien. J'ai envie de regarder la série. Ah, ça arrive souvent, ça, quand je fais les constructions de séries. Ah, en effet, ça arrive souvent. Après le live, il faut que je trouve ce que je vais me faire à manger. J'ai aucune idée de ce que je vais me faire à manger après le stream. Et ouais, pour ceux qui sont sur TikTok, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. En fait, c'est plus simple pour vous, pour toutes les informations comme ça, un petit peu en stream, quand vous me posez des questions sur les mods. En fait, je mets tout dans mon chat sur Twitch. Malheureusement, le chat sur TikTok, je peux rien faire sur l'application. Bah, c'est alors que j'ai un truc à faire. Y'a pas de soucis, bon lurk à toi. Je suis trop à fond sur la série Suits. En 3 jours, je suis déjà à la saison 3. Suits, j'ai abandonné à je sais plus quand. Je sais que j'ai abandonné rapidement. Ah, mais si, c'est ça que j'ai fait aussi hier soir. Hier soir, alors, une fois que j'ai terminé Hogwarts Legacy à 100%, sachant qu'en plus j'ai eu un bug, donc j'ai passé plus de 2 heures à essayer de le corriger. Le dernier coffre que j'ouvrais, il était vide. Voilà. Le dernier coffre de collection qui me manquait, quand je l'ouvrais, ça me mettait rien. J'étais un peu galéré, j'étais en mode ah non, hein, je dois faire le 100%. Bref, je suis arrivé à débloquer la situation. Et une fois que j'ai fait ça, eh ben, j'ai commencé à regarder The Greatest Showman avec Hugh Jackman, que je n'avais jamais vu. Alors, j'écoute les musiques de ce film depuis des années et je n'avais jamais regardé le film. Je sais, c'est honteux. Je sais. Le film est incroyable. Le film est trop stylé. Et merci, Aya, merci à toi pour le follow, merci beaucoup. Elle est sur Disney+. Et vraiment, le film, il est ouf. J'ai adoré. Et je pensais pas aimer, en vrai. Parce que tout ce qui est un peu comédie musicale, j'ai un peu de mal, en général. Et là, vraiment, Hugh Jackman, il chante trop bien. Alors, je sais pas, je pense si c'est vraiment lui qui chante. Mais j'étais sur le cul, hein. Hop, The Greatest Showman, ça se passe dans les années 1900, début 1900 à New York.
En gros, c'est l'histoire d'une personne en bas de la classe sociale qui va en fait vouloir gravir les échelons en ouvrant un espèce de cirque aux curiosités. Et en gros, c'est un peu comédie musicale, ça chante souvent, très souvent, c'est le principe du truc. Et c'est vraiment sympa comme histoire. Ah, ça parle de The Greatest Showman. Exactement. Je l'avais toujours pas vu en fait. J'écoute les musiques de ce film depuis très longtemps, depuis sa sortie, et je n'avais jamais vu le film. Et voilà. Et du coup, quand j'ai terminé de platiner Hogwarts Legacy sur ma PS5, je me suis dit, go, allez, vas-y, je le regarde. S'il est disponible sur. Comment ça s'appelle ? Sur Disney+. Et j'ai grave kiffé, quoi. Vraiment, j'ai vraiment aimé. Et à la base, je partais vraiment sceptique. C'est l'inventeur du cirque, en vrai. Bah voilà. Ah ouais ? J'avais pas fait gaffe à ça. Masterpiece. Et en plus, plusieurs des histoires du film sont tirées du sort. Ah, ça, je ne savais pas. Ça n'avait pas été crédité, mais celui qui a aidé au répète, c'est l'acteur de la série Supergirl. L'acteur de la série Supergirl. Ah, peut-être, je sais pas. Si, c'est bien lui, ouais, ok, c'est ça. T'as vu comment il chante ? Mais il chante très très bien, Hugh Jackman, hein. Bah, en fait, ça le change de son rôle un peu, je vais pas dire nul, mais son rôle très plan-plan de Wolverine, en fait. Le gars au fond, super. Ok, d'accord. J'ai mis 6 heures à trouver cette info. Non, il a supervisé Hugh Jackman. Et les autres du casino, en vrai, c'est trop bien, hein. L'inventeur du cirque. Ok. Bon, ouais, c'est cool, hein. Vraiment, j'ai grave kiffé le film. Je regrette de pas l'avoir vu avant. Après, ici, on va rajouter des buissons. Je pense qu'après, en rajoutant des buissons, c'est ce qui va rendre toute la beauté à cet endroit. Mince, mais c'est pas ce que je voulais dire. Jamie Jordan, si vous connaissez. Je connais pas du tout. Alors là, maintenant, tout de suite, comme ça, je connais pas. Attends, ça, on va le réduire. Élévation 0. Ça va être moins 1, voilà. Juste histoire de les faire sortir un peu. Yes. La femme à barbe est tirée d'une histoire vraie. Le personnage joué par Hugh Jackman a existé aussi. Ok, d'accord. Alors, j'ai regardé du coup la femme à barbe, l'actrice, elle chante trop trop bien aussi. Et du coup, j'ai été perturbé dans le film parce que du coup, je voulais savoir. Alors, c'est un peu. Je pense que c'est un truc un peu pas mal placé, mais ça m'avait perturbé parce que je savais pas si c'était un homme ou une femme. Parce que dans les films ou dans les séries, des fois, vous savez, ils peuvent un peu truquer les choses. Et du coup, j'étais vraiment perturbé. Et non, c'était bien une femme qui du coup, lui a juste rajouté une barbe. Mais ça m'avait vraiment perturbé parce que vraiment, ils ont bien fait le maquillage et tout. Et ça faisait vraiment très androgyne. Enfin, au niveau du visage, ça pouvait vraiment prêter aux deux genres. P.T. Birdman, Burnham qui a inventé le cirque. Ok. Ils veulent. Ah ouais? Oh, ils veulent pas prendre en compte le nom du gars. Alors, ça doit être un mot interdit par Wisebot parce que je connais le nom du gars et pourtant. C'est pas un mot blacklisté. Non, c'est une femme, elle est géniale. Elle a une voix de dingue. Hein. Je confirme. J'avais été très surpris. Et le film est vraiment cool. Donc, si vous ne l'avez pas vu, vraiment, il dure 1h40, je crois, si je me souviens bien. Et vraiment, bah, n'hésitez pas, hein. il est vraiment cool. Et à la base, je pensais vraiment pas aimer. Et je trouve que voilà, il y a tout qui est cool. L'intrigue, alors, je vois venir certains trucs quand même. Mais je trouve que la fin était très sympa. Après, si c'est tiré du serveur, ça peut jouer. Par exemple, à contrario, alors je sais qu'il y a des gens que là, ils vont me taper dessus quand je vais dire ça. Alors, il faut savoir que La La Land. Je sais, je m'attaque à un gros truc là. Je m'excuse d'avance. Mais moi, La La Land, j'ai beaucoup aimé, mais alors j'ai détesté la fin de La La Land. La fin de La La Land, je la trouve éclatée au sol. J'ai adoré le film dans sa globalité, mais alors la fin. J'étais en mode, bah non, en fait. Pas d'accord.
Elle chante pas du tout de l'opéra, mais ça me fait penser à une salle d'opéra. Ouais, je vois un peu. Oui, puis c'est vrai que le film traite de racisme. Du racisme et de. Et comment ça s'appelle? Et pas que ça, hein. Enfin, dans le racisme, dans le sens large, en fait. Je regarde La La Land parce que je n'ai pas trouvé fou. La La Land, moi, j'ai beaucoup aimé. Bon, en fait, moi, j'adore Emma Stone. Voilà, Emma Stone, dans mon cœur, quoi. Vraiment, je trouve cette actrice incroyable. Je l'ai découverte dans Amazing Spider-Man. Spoiler alerte, le meilleur couple qui existe à l'heure actuelle dans tout le Spider-Universe au niveau des films. Vous m'excuserez, hein, c'est Andrew Garfield et Emma Stone. Parce que votre Mary Jane nullissime des trois premiers films Spider-Man avec Sam Raimi et l'autre cruche qu'il y a dans Spider-Man avec Tom Holland, je suis désolé. Alors même si Zendaya, attention, Zendaya joue très bien, mais je trouve que son personnage en tant que MJ, elle est nulle. Son personnage, il est nul. Pas son jeu d'actrice est nul. Hein. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que son personnage en lui-même, il est nul. Pour moi, le meilleur couple, c'est celui de Andrew Garfield et de Emma Stone. Parce que vraiment, à l'écran, il rendait trop bien. Ouais, son script, c'est vraiment son développement de personnage. C'est ça que je cherchais. Le développement de personnage de MJ dans les Spider-Man, là, les derniers, là, les trois derniers. Osef, quoi. Et d'ailleurs, bah, dans le film The Greatest Showman, il y a l'actrice Zendaya et elle joue très très bien. Coucou Elendil, comment tu vas? Il y a Zac Efron aussi, ouais. Sa chanson avec Zac Efron, je l'adore. Ouais, elle est cool. Hein. Moi, MDR, je supporte pas Andrew Garfield. Comment tu ne peux pas supporter Andrew Garfield? Il est trop mignon avec sa petite tête, là. La La Land, pour moi, c'est en dessous de The Greatest Showman. Bah, tu vois, avec du recul, il faudrait que je regarde maintenant La La Land. Je le re-regarde pour faire la comparaison. Mais au niveau des musiques et de la mise en... Enfin, le scénario et tout, pour l'instant, j'avoue que... Greatest Showman a l'air d'être mieux. Après, faut que je regarde La Land pour être bien sûr de les comparer correctement. C'est un sacré défi, dis donc. Ouais, Maëlys, ouais, je me suis lancé un sacré défi, mais en vrai, je trouve qu'on n'est pas trop mal. Hein. Par contre, il a fait la chirurgie esthétique, le petit Zach, non? Ah oui, il a fait beaucoup de chirurgie esthétique, Zac Efron. Et encore, là, dans le film, c'est pas encore... il a encore fait de la chirurgie, là, et il est méconnaissable. C'est un attrape minette, j'ai du mal avec ça. Un attrape minette. Andrew Garfield, j'ai pas l'impression qu'il fait ça. Par contre, ça c'est moi j'ai lu. Le patron de Matata ressemble à Andrew Garfield. Alors moi j'ai une de mes amies qui ressemble à Emma Stone. Alors aujourd'hui moins, mais quand elle était blonde, je sais pas si vous connaissez la streameuse Even Fox, qui fait du. Avec DiCaprio avant de sa prise de poids et tout. Alors par contre DiCaprio, alors là attention, je vais attaquer un monument. DiCaprio, il va falloir peut-être se calmer avec ce monsieur. DiCaprio, il a des soucis quand même. Hein. Genre, il est un peu problématique le monsieur. Hein. Il a 50 piges, il sort qu'avec des meufs qui ont moins de 20 ans, enfin entre 20 et 25. Merci, le compte fan de Sissourine. Merci à toi pour le follow. Le comportement envers les femmes qu'a Leonardo DiCaprio est très problématique. Hein. Ouais, il va falloir faire attention avec ce monsieur. Hein. Dans la couleur des sentiments, je ne l'ai pas vu ce film. Andrew Garfield a aussi joué dans une comédie musicale et a été nommé aux Oscars. Oui, je sais, j'ai vu, il faut que je la regarde, cette comédie musicale. Je ne suis pas du tout attiré par les comédies musicales alors qu'il y a sans doute... Alors moi non plus, je ne suis pas du tout attiré par les comédies musicales. En général, ça a tendance à m'énerver. Le seul truc comédie musicale que j'avais beaucoup aimé, c'était Glee, parce que c'était littéralement une parodie du truc, quoi. Et après, le film Greatest Showman est vraiment très sympa, parce que les musiques sont très cool et elles sont placées à des endroits très bien placés. Et coucou à toi!
Donc voilà, donc ouais, non, faites attention un peu avec DiCaprio. Hein. Mais alors Cruella, le film, je l'ai vu 4 fois. Le film Cruella avec Emma Stone, il est incroyable. Et pourtant, au début, j'étais ultra sceptique. Hein. Parce que même si j'adore Emma Stone, j'étais en mode, ouais, mais Cruella, quand même, là, quoi. Et en vrai, incroyable le film Cruella. J'ai adoré la revisite du film. C'est moche si je fais ça. Dans la couleur de sentiments, les géniales s'est filé. Oui, tu peux regarder TikTok Boom avec des refs sur Netflix. Ah, bah je savais même pas qu'il était sur Netflix. Mais Glee avec Blaine Anderson et Kurt Hummel. Ah, c'était pas mes préférés. Alors moi, je vais pas vous mentir. Hein. Le couple dans Glee de Blaine et de Kurt, ils m'insupportaient. Au début, ils étaient mignons. Alors après, qu'est-ce qu'ils étaient chiants. Même le cause de sentiment, c'est une pépite, elle crève l'écran à voir absolument, je chiale à chaque fois, tu m'étonnes. Heureux à bikini. C'est juste pour l'exemple du gars connu dans sa jeunesse surtout. Oui, pour ça, mais c'est ça, ouais. Là, juste incroyable film, je veux trop le voir. Moi, j'ai trop hâte d'avoir. Il y a un 2 apparemment, j'ai un peu peur que ça fasse le film de trop, mais j'ai très très hâte quand même. Tout à fait d'accord, incroyable. Pareil, je me disais, ok, Emma, elle est cool, mais dans Cruella, je sais pas. Et au final. Mais moi, c'était pareil, en fait, je voyais pas Emma Stone dans le rôle d'une méchante comme ça, tu vois. Et en fait, bah, déjà, bon, bah, dans le film Cruella. Qu'elle est méchante, mais voilà. Voilà. Blaine, c'est mon préf. Kurt, il me saoulait, mais Blaine. Kurt était nécessaire vu la période. Il me saoulait. Alors, oui. En fait, je trouve que le couple, il était un peu. Et violon. Et je trouvais ça un peu chiant. Mais oui, c'était important pour l'époque d'avoir une représentation LGBT qui était positive. Pardon, il y a deux. Oui, c'est prévu. Hein. Ils l'ont annoncé peu de temps après que le film soit sorti au cinéma. Vu le succès, ils l'ont annoncé. Alors, quand est-ce qu'ils vont le faire? Ça, on sait pas trop. Là, après, il va falloir rajouter des herbes un peu là-haut, là. Par contre, Teenage Dream, quand il pleure, quand il chante, c'est ma préf. Ça fait très très longtemps que j'ai pas vu Glee. Je suis en plein dedans, j'ai recommencé Glee depuis le début, je suis déjà à la saison 3, ça me rappelle trop de souvenirs. Alors, bon, Glee, aujourd'hui, il y a pas mal de choses problématiques hein, dans Glee. Mais ouais, Glee, c'était quand même une bonne série sur pas mal de choses qui traitaient de beaucoup de sujets importants. Alors, Glee, à savoir que c'est une série qu'il ne faut surtout pas regardez au premier degré. Hein. Glee, il faut regarder ça au cinquième degré, limite. Hein. Il y a un sens de lecture à avoir dans la série Glee. Il ne faut pas prendre pour argent comptant ce qui est dit au niveau de l'humour. Parce que c'est vraiment ultra grinçant comme humour. Hein. En vrai, tu vas me faire reprendre. On parle de Emma Stone, mais Emma Thompson dans Cruella. Ah, mais oui, mais déjà, Emma Thompson, super actrice déjà de base. J'ai l'impression que toutes les actrices qui commencent par Emma elles sont incroyables. J'ai même pas bah, hâte qu'ils sortent en espérant que, comme tu dis, que ce soit pas le film trop. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Mince. Hop. Bah, en même temps, Rachel qui est en kiff sur son prof de chant, ça m'a tué de rire. Bah, en vrai, vraiment, qui ici dans le chat ne va pas me dire qu'il n'a pas eu un crush sur un de ses profs. Merci, Lanette, pour le flow. Merci beaucoup. Voilà. Et qui est Emma Thompson dans Cruella? Bah, c'est la méchante. C'est la styliste. Vous n'avez pas un peu flashé sur un de vos profs? Franchement, jamais. Ah. Après, c'est des séries qui ont déjà minimum 10 ans, donc évidemment, ça se passe à un passant plus loin. Non, mais il y avait que lui, ok. Non, oula, ma spécialité d'avoir des crushs sur des profs. Bah voilà. Bah
Après, c'est sûr que si dans votre collège ou dans votre lycée, vous aviez que des profs qui avaient la cinquantaine, je peux comprendre, tu vois. Hé, hey, coucou Ryanox, comment tu vas? Non, j'ai avec des vieux, voilà. Et en vrai, la maison elle commence à envoyer du pâté, je trouve. Hein. Ça va super bien, j'espère que toi aussi. Bah écoute, ça va, on discute un peu série, là. Et coucou la nette. Je mentirais que si j'ai non, car j'avais un prof de sport juste magnifique. J'étais dispensé à cause de mon asthme, mais j'y allais toujours, car je faisais les démos avec lui. Oui, si tu voulais surtout le reluquer avec son jogging. On a compris, Bekinou. Surtout que surtout il y a des profs horribles, donc canon ou pas, il y a son. Oui, c'est ça. Je comprends. Mais c'est sûr que c'est les profs. T'étais dans un prof, enfin dans un collège ou un lycée avec que des profs cons. Là, j'aimerais rajouter des cailloux là-dedans. Genre ici et tout. Le problème, c'est attendez. Hop, élévation moins 5. Ouais, mais pas possible. Moins 5. Comment je vais faire? Il va dire, oh, mais oui, effectivement, surtout qu'il avait souvent pas son t-shirt en été. Regardez comme il se rinçait l'œil là, l'autre là-bas. Ah, bravo! On est sur un stream ce soir de posage de cailloux. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Mais vous aimez bien les lave-posages de cailloux. Alors, je pense qu'à l'intérieur, ça va trop dépasser. Bingo. Élévation moins 0,2. Élévation moins 0,1. Merde. Et alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire. Oh. Ouais, il fait peur. Ouais, on va se regarder. En fait, j'ai. Depuis tout à l'heure, j'ai la photo de l'image de la maison, mais là, je pars en roue libre sur la maison. Donc... Et voilà. Et oui, merci pour l'avoir. Je reviens. Oh, excusez-moi, petit moment creepy. J'ai une caméra de surveillance dans mon salon et qui m'a dit détection de mouvement. Enfin, quelqu'un, enfin, ça m'a dit qu'il y a une détection de mouvement dans mon salon et j'ai regardé, mais Noxie elle est à côté de moi. Que se passe-t-il? Du coup, j'ai été regarder. Après une. Après l'anecdote marrante du lycée, ma tante m'a accompagné à une réunion. Hop, à une réunion parent prof et elle m'a confondu mon prof principal avec un clodo. Ah oui, génial. J'ai quitté le photo de retour. En fait, j'ai laissé une bougie qui est allumée dans mon salon, donc je pense que c'est ça qui a fait détecter. Ouais, j'espère que c'est que ça, parce que bon. Voilà quoi. My god.
Après, des trucs un peu fantomatiques chez moi, bon. Habitué, disons. Bah écoute, c'est de sa faute. Bah bien sûr, c'est de sa faute. Le magnifique prix de sport au collège, il devait avoir 25 ans et tout le monde bavait sur eux. Et on avait 12 ans, quoi. Ah, il y avait ça. Vaut mieux que ce soit dans ce sens-là que l'inverse. L'inverse est interdit. C'est pour ça que j'ai dit à ma mère de ne pas mettre la lumière automatique à la maison. Après, t'es en stream, donc ça va, on le verra. Alors, il y a déjà eu des phénomènes chelous en stream. Hein. Pour ceux qui étaient là il y a quelques mois, enfin l'année dernière, pour être exact, il y a eu des phénomènes chelous en stream qui se sont passés. J'habitue, dans ton manoir, tu auras souvent ça. Ah oui, mais alors ça, bah, ça me dérange pas. Hein. Vous savez que j'ai pas besoin d'avoir un manoir pour avoir des manifestations étranges. Hein. Dans mon appartement, ça arrive très souvent. Oh oui. En plein stream, il y avait une espèce de lueur qui apparaissait souvent. Elle est apparue pendant quoi, bien 2 semaines. Puis après. Oui, il y avait la lumière qui sautait toute seule aussi, ça. Streamer automatique, c'est ça. Alors le cri en stream c'était le plus glauque. Il y a eu un cri un jour qui a été entendu sur un de mes streams, mais en fait très peu de gens l'ont entendu et moi je l'ai même pas entendu pour vous dire. Et en fait qu'à la rediff que je l'ai entendu. J'ai peu peur qu'en faisant ça, c'est toi moche. Élévation moins 0,2. Mince. J'ai appelé les frères avant d'aller dormir. Ouais, le cri était bizarre. Et en fait, le cri, on n'a jamais su ce qui s'était passé. Est-ce que l'un de vos chats, parfois, ils font des trucs flippants, genre ils voient un truc invisible? Oui, Noxu fait souvent, elle fixe les murs, ou elle se met à cracher devant un mur où il n'y a rien. Alors oui, Noxu fait souvent ça. Ça non. Attendez, je réponds juste à un message. Voilà. Tu te le dis qu'il a repéré un fantôme. Bah en fait, c'est Jean-Charles. Non. En fait, avec une de mes amies, on rigole beaucoup avec ça. Et en fait, j'ai baptisé le fantôme de mon appartement Jean-Charles. Pas beau ce caillou. Ah, celui-là, c'est celui que je cherche. Mince.
Je m'avais mis à travers la baie vitrée, le chat regarde tout le temps le couloir, mais il y a la TV à droite dont je me pose des questions. Ouais, des fois faut pas chercher à comprendre, je pense. Des fois c'est bien de rester dans le déni. Élévation moins 1, je pense. Peut-être non. Moins 0,5. Ça peut être pas mal. Ouais, moi j'ai pas déjà pas de problème, c'est ça. Des nids, des nids, c'est ce que font des oiseaux. Comment ça? Pourquoi tu parles d'oiseaux? J'ai pas compris. J'ai pas suivi. Pas tout compris, désolé. Ah, dans le déni. Mais plus que j'ai dit. Et moi, je suis à la ramasse. Hein. Et j'ai passé hier, j'ai passé ma journée dans le lit. Et... c'est pas suffisant, visiblement. Il faut que je trouve des idées de TikTok pour demain. J'ai aucune idée pour les TikTok là, de cette semaine. Ça va finir que toute cette semaine, je vais faire zéro TikTok. Je vois aucune maison. Le lucifer qui a fait cette blague. Parfois, il faut rester dans le déni. Dans le déni. Ah, non, oui, d'accord. Ah non, faut pas me faire ça un dimanche soir. Hein. Alors, ça se cale presque parfaitement. Là, je pense qu'en mettant un petit caillou, ça devrait le faire. Attendez. Hop. Mon poney, il a peur de sa propre ombre, c'est déjà assez compliqué. Bah attendez, vous savez quoi? On va l'écouter en stream. 58-37, t'as dit. Ah! Attendez. Capture écran. C'est l'ancien setup! Tu m'as dit 58-37? Donc 58. Ça, je l'ai pas encore fait, ça. Vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Je reviens en arrière. Attends, on peut pas faire un retour de 15 secondes. Ah si, il y a bien un cri. Hein. Attendez. Terminé. Et là, du coup, tu pourras remettre l'électricité. Voilà, j'ai vraiment fait tout un listing de règles. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Et donc, voilà. Offrir 3 cadeaux à des renards, lapins ou des oiseaux. Ça, je ne l'ai pas encore fait, ça. Ça va être là. Voilà. Et ça, moi, je ne l'ai pas entendu. Donc, en fait, ça veut dire que ça a été capté dans mon micro. Donc ça a été capté dans le micro qui est là, d'ailleurs c'est le même micro. Donc ça veut dire que ça a crié très fort. Donc moi je ne l'ai pas du tout entendu. A savoir qu'avant, là j'ai un casque ici à réduction de bruit, mais mon ancien casque n'était pas du tout à réduction de bruit. Donc en fait j'ai pas entendu le cri et c'était dans la rue. Mais c'est ça qui était trop bizarre. C'est qu'en fait j'ai demandé à mes voisins qui étaient là ce jour-là si t'avais entendu un cri et genre, ils m'ont tous dit non. Donc voilà. On peut constater que c'était au tout début, enfin c'était pendant le début de mes streams, on peut constater que j'avais du poids en moins. Il serait temps que je récupère ce visage fin. C'est vrai. Et là, j'ai rien entendu. En fait, c'est Sinoc, je crois qu'il l'avait entendu, et j'étais persuadé qu'elle se foutait de ma gueule.
Voilà, et je ne l'ai pas cru. Et non, c'était personne de mon immeuble et tout. Ouais, quand on entend bien, on entend bien. On avait moins de cheveux blancs. Bah ouais, ça faisait moins de 6 mois. Ça faisait 6 mois que je... Même pas que je streamais. Et la preuve que non, je ne me moquais pas de toi. Non mais c'est ça. Mais le pire, c'est que bah, moi, je l'ai pas entendu. C'est ça qui était trop bizarre. Et dans le chat, il y a très peu de gens qui avaient entendu. Hein. C'était ça le pire. C'est qu'en fait, peu de gens... Enfin, quasiment personne l'avait entendu, quoi. Bah non. Alors, il y a eu des faits divers un peu chelous hein, dans ma résidence. Voilà. Jamais eu des frissons comme ça, je meurs et pourtant c'est mon domaine, si je puis dire. Comment ça? Je vais nous en parler un peu plus. Et le cri, il est glauque. Hein. Et je me suis renseigné et vraiment, personne ne sait d'où ça vient. Un cri d'outre-tombe. Ah mince. Mais d'un contexte, c'est ça. C'est même très glauque, on dirait limite que la personne a vu un meurtre ou un truc comme ça. Bon, ça, je l'aurais su. Hein. Oh bah. Mais ouais, non, c'était vraiment un cri chelou comme ça. Hein. Ou alors peut-être que la dame, elle a vu une très grosse araignée. Il y a plein d'histoires comme ça dans les hôpitaux, cliniques et EHPAD. Pas médical, plus spirituel. Je sais carrément aussi me dire... Oh, trop bien. Alors, j'ai tenté moi-même de faire du tirage de cartes. Assez réceptif à ce genre de choses. J'ai fait des tirages moi-même, mais en fait, ça m'a tellement fait flipper que j'ai arrêté. Herpique, bien araignée. Ouf. Il y en a carrément une phobie très intense des araignées. Ça va être chaud. Ici, j'aimerais mettre des plantes, mais... Comment faire ? Va pas nous invoquer un méga méchant Jean-Charles, toi. Ah oui, je me souviens qu'on avait fait passer pour une folle à cause de Screen. Ah oui. On m'a fait un tirage de cartes. C'était pas le week-end dernier, c'était il y a 2 semaines. De base, je suis pas spécialement... Enfin, je suis quelqu'un qui est assez terre à terre. Mais j'avoue qu'il y a certaines choses, des fois, c'est quand même relativement compliqué à expliquer. Et la personne qui m'a fait le tirage de cartes... Elle connaissait quelques détails de ma vie, mais pas grand-chose. Et dans son tirage de cartes, elle m'a expliqué des choses très précises. C'était pas des choses ultra vagues qu'on pourrait dire à tout le monde, en fait. Des choses qui m'ont été dites qui étaient ultra précises sur ma vie privée, et dont il n'y a que moi qui suis au courant, même mes amis, certaines choses ne sont pas au courant sur ma vie privée. Et j'avoue, j'avais été très surpris. Non, ça va être moche si je fais ça. Non, peut-être pas. Je peux comprendre, j'ai une amie comme ça, elle est réceptive, mais ça fait flipper. Après, je préfère rester dans mon confort.
d'énergie énergique et de choses que je ne sens pas prête pour le reste. Je comprends. Moi, j'ai eu quelques petites expériences relativement... voilà. Ah, merci Melon pour ton sub prime. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Hop. Mais ouais, non. Non, moi, j'ai eu quelques petits trucs un peu glauques. Très glauques, d'ailleurs. Je peux vous raconter une histoire glauque qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps. Il y a un peu moins d'un an. Donc aujourd'hui, mes potes refusent catégoriquement qu'on reparle de cette histoire. Ah, s'ils trouvent ça trop flippant. Il y a un peu moins d'un an de ça, je fais une soirée jeu de société avec mes amis parisiens. Et à un moment donné, pendant la soirée, j'ai une odeur de noix de coco qui me rentre dans les narines, mais l'odeur entêtante. Et je vais voir ma pote qui est à côté de moi, je dis t'as mis un parfum genre senteur de noix de coco là depuis tout à l'heure. Elle dit mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Et après je dis mais attendez, c'est pas possible, il y a quelqu'un qui boit ou quelqu'un boit du Malibu, parce que vraiment ça sentait la noix de coco de fou. Et vraiment ça me donnait limite mal à la tête. Et tout le monde me dit mais n'importe quoi, ça sent pas la noix de coco et tout, arrête de dire n'importe quoi. La soirée se passe, on va se coucher. Je dors sur place, la soirée se passe et toute la nuit je rêve de camion de pompiers. Je rêve pas de pompiers, je rêve pas de caserne de pompiers, je rêve de camion de pompiers. Et au moment où j'ai eu l'odeur dans le nez, il était 23h30. Bref, le lendemain on repart et j'ai toujours en image, parce que je me souviens très rarement de mes rêves, mais là je me souvenais très clairement des camions de pompiers. Et là, je repars et c'est un de mes amis qui me raconte, enfin qui m'ont fait covoite et c'est lui qui conduit et moi je suis passager. Et ma sœur m'envoie un message sur Messenger et m'envoie un message vocal en me disant mais attends tu connais pas la dernière nouvelle, pas quelque chose de très positif, quelqu'un de notre entourage était décédé, quelqu'un de notre famille. Et en fait elle me dit comme ça il y a un tel qui est décédé. Cette personne-là s'est fait percuter sur la route vers 23h30. Il y a eu plein de camions de pompiers et tout. Donc déjà 23h30. Et là, je demande à ma sœur, je dis mais on est bien d'accord que cette personne-là, elle avait un parfum à la noix de coco horrible qu'elle portait tout le temps. Et la réponse de ma sœur était oui. Voilà. Mon pote à côté de moi, il est passé par toutes les couleurs possibles et imaginables au volant. En me disant, tu te fous de ma gueule, c'est pas possible, tu me fais une blague avec ta sœur. Je dis, ah, je rigole pas. Et mais du coup, je lui montre sur mon téléphone l'article de presse comme quoi il y a eu un accident de voiture avec cette personne-là à telle heure. Bon, cette personne, j'avais coupé les ponts avec cette personne-là il y a des années. Hein. Donc c'est ça qui... Voilà. Et voilà. Bah alors, des histoires comme ça, je peux vous en raconter plein. Après, on y croit pas, on peut rationaliser les choses. Mais choses et trucs que c'est pas la première fois que ça m'arrive. C'est ça. Dis-toi que j'ai vu la mort de beaucoup de proches sans savoir que c'était une semaine de... Ah bah ça m'est souvent arrivé aussi, Bikino. Attends. Est-ce que je commence déjà à flipper? Absolument, voilà. Oui, je pense que j'ai une sensibilité particulière. Je pense que j'ai une sensibilité particulière. Après, on y croit, on n'y croit pas. Moi, de base, je suis quelqu'un qui est très terre-à-terre. Hein. Vraiment. Mais force est de constater que des fois, des explications rationnelles, j'essaie de les trouver, hein, je suis quelqu'un qui est très rationnel, j'essaie de les trouver moi-même les explications rationnelles, sauf que des fois je suis un peu en mode... disons que l'histoire que je voulais raconter avec l'histoire du parfum, elle est difficilement explicable. Je suis sorti de tout court. Bon alors... Mais ouais.
Hop là. Surtout que si tu étais le seul à sentir... Ah non, mais j'étais le seul à sortir le parfum de coco, hein, dans... Bah, vous savez, j'ai ma modératrice Lumina Fox qui vient de temps en temps. Posez-lui la question de si elle se souvient du parfum de noix de coco à cette soirée-là. Ça se sent que tu as une sensibilité par rapport à tout ça. Sans vouloir brusquer. Oh non, mais t'inquiète, hein, je sais pertinemment. Je le sais. Ça me brusque pas. Hein. Je suis au courant. Bah, j'aime bien ça. Après, moi, j'ai toujours été, comme je disais, quelqu'un de très terre à terre. Et de, bah, pour moi, il faut que je le vois pour le croire, clairement. Je ne crois en aucune divinité, je ne crois pas du tout en Dieu, ni quoi que ce soit. Je ne crois pas en la vie après la mort, ni rien. Mais, quelques trucs quand même qui me... Voilà, genre le coup de la personne qui décède, tu sens le parfum à un moment où elle est morte, c'est quand même un peu chelou quand même. Hein. Et puis, certains trucs que tu prédis, c'est un peu... Voilà. C'est pas horrible, c'est perturbant. Oui, c'est ça, oui, je dis horrible, mais c'est perturbant. Mais en soi, c'est un don aussi, mais c'est... C'est une mauvaise nouvelle, mais tu dois l'être... mais tu dois l'être dans plein de situations. Bah, en fait, moi, j'ai un peu... Donc, j'ignore un peu tout ça, parce que bah, c'est tout le temps des mauvaises nouvelles, alors... J'aime bien ce que je suis en train de faire, là. Ah oui, les 60 ont déjà vu. Pareil, moi, j'ai une de mes... Alors, ça je crois que je vous l'ai déjà raconté en stream une fois. J'ai une... Alors, très souvent, je vais dire des choses comme ça sur un coup de tête, sans réellement réfléchir. Genre en mode... Oh tiens, il va se passer ça. Vous pouvez être sûr que quand je fais ça, dans 99% des cas, ça arrive. Une de mes amies, quand j'étais à l'UT, le jeudi après-midi, on avait l'après-midi libre. Et on discute, et elle me dit « Ah, bah du coup, moi, cet après-midi, je vais jouer au foot. » Et je le sors comme ça, tac au tac, sans même y réfléchir. Je lui dis « Non, vas-y pas, tu vas te blesser, mais genre vraiment. » Et elle a dû me redire n'importe quoi. Je dis « Mais non, vas-y pas, tu vas te blesser. » Et elle me dit « Marre de n'importe quoi, t'aimes pas le foot, tu veux juste m'emmerder, quoi. » Et je dis « Ah oui, j'aime pas le foot, mais je te jure, je suis sûr que tu vas te blesser. » Je sais pas, dans ma tête, c'était « Fais gaffe, elle va se blesser. » Elle va faire son match de foot. Le lendemain, je la vois pas. De tout le week-end, aucune nouvelle. Et le lundi, qu'est-ce que je vois? Elle arrive avec une énorme attelle. Enfin, pas une attelle, mais un énorme truc au niveau de son genou. Là, je sais pas comment on appelle ça. Rupture des ligaments croisés du genou. Elle m'a fait la gueule pendant plusieurs jours. Ça m'a dit que je lui avais porté la poisse. Et coucou Lilou, comment tu vas? Alors que moi je me dis, meuf, je t'avais prévenu. Comme je dis des fois, faut parfois des gens pour faire le sale boulot, mais la plupart du temps, on ne sait pas à quoi faire. Mais c'est ça en fait. Je comprends, moi aussi, on me donne ce genre de message. Quoi, Sex Education? C'est la série. C'est juste que j'ai enlevé le E dans sexe parce que je crois que Twitch ne le permet pas dans le titre. Voilà. Comme une fois, à mon dernier séjour en Espagne, je fais un sketch parce que je refuse catégoriquement de monter dans la voiture de mon oncle parce que je dis on va tomber en panne. Donc je dis non, on trouve une autre solution, on va pas dans cette voiture. On n'a pas eu d'accident, mais on est tombé en panne. Je dis non, on va tomber en panne. Il m'a rendu n'importe quoi, la voiture elle va très bien, on a fait la révision avant de partir en plus, donc elle va très bien aller. Devinez qui est tombé en panne en plein milieu du désert en Andalousie, sous 45 degrés en plein mois d'août. C'est nous. Et là, j'ai pété un câble. La poisse, ça n'existe pas. Merci Sinoc pour avoir fait un assis debout.
Donc si un jour je vous dis ne monte pas dans cet avion, ne montez pas dans l'avion. C'est une intuition que j'ai. En fait, c'est un truc, c'est au tac au tac. C'est un truc que je gère pas. C'est, en fait, ça va être un truc débile qui va me passer dans la tête et je vais le dire. C'est un peu paradoxal. Après, voilà, je dis, faut y croire. Hein. Voilà. Moi, j'étais très sceptique de base, mais bon, force est de constater que... Bah... Et tu peux boire ton seum, j'ai demandé un petit bain à boire. Merci, Sinoc. Comment est-ce là, comment tu vas? Je vais t'envoyer un message cet été, alors. Mais voilà, un petit peu les bizarreries de Mister C. Vous en savez un peu plus sur moi. Alors, c'est des trucs que je raconte rarement. Là, je le dis parce que voilà, c'est... on avait le sujet de conversation qui est prêté. Mais c'est surtout que je raconte pas parce que, bah, voilà quoi. J'aimerais mettre des rochers ici, mais je pense que ça va être moche. Bon, bah, moi, je me désabonne. J'avoue, mais je comprends, ça va être flippant de recevoir ce genre de message. Eh bien, toi, bah, écoute, ça va. Ça va, ça va, ça va. En fait, j'y fais plus attention aujourd'hui. Au total, les trois quarts du temps, je les ignore. Ah, ah. Ouais, comme je dis, hein. On y croit, on y croit pas. Chacun fait ce qu'il veut. C'est moche, ça. Franchement, je sais pas quoi faire, là. C'est con qu'on ait pas un aspect un peu plus rocher. On a ça, mais c'est pas joli. Ah, hop. On a ça, à la limite. Ah, peut-être mettre un truc comme ça. Ah, c'est peut-être un peu plus passe-partout, ça. Bon, c'est une nouvelle activité sur tes live Twitch. Oh non, je laisse les gens plus compétents pour faire ça. Peut-être qu'un jour, je m'intéresserai plus. Et coucou Emmanuel également, comment vas-tu? Comment ça va sur TikTok? On va rajouter un peu ça, j'aime bien. Est-ce que là, on peut pas colorier ici hein? Ah non, ça marche pas. Ah, c'est pire. Bah écoutez, sur TikTok, moi, ça va bien. On est en pleine construction de la maison de Otis en Sex Education. Et là, pour l'instant, je trouve que ça commence à rendre pas mal une petite histoire, là. Et merci, Bio, merci à toi pour ton raid. Comment ça va, tout le monde? Comment ça va? Et coucou, Indiana. Coucou, Floflo. Et Revava. Comment ça va? Coucou, Caro. Comment ça va, tout le monde? Hop. Et oui, n'hésitez pas à aller follow la chaîne de Mikio, n'hésitez pas. Et merci, ça bébé sushi. Merci à toi pour ton 9e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. La dinguerie de ta construction. On galère un peu, ouais. En vrai, on aura bien avancé. On aura fait un live posage de cailloux. Coucou Madame Pagouin, ça va super et vous? Bah écoute, ça va bien, j'espère que toi aussi. T'étais sur quoi? Sur du... Je suppose sur du Sims. Mais ouais, l'intérieur, j'ai très peur de faire l'intérieur. Pour l'instant, on a fait que l'extérieur. Et encore, je l'ai remanié parce que normalement, elle est à flanc de montagne, enfin de montagne, de colline plutôt. Et là, j'ai dû modifier avec les Sims et plutôt faire une butte pour que ça passe. En tout cas, on ressent bien la vibe. La façade de la maison, j'ai galéré. Hein. Genre ça, c'est des étagères avec le mode tool. Hein. Et ça aussi.
Et oui, coucou le raid. En tout cas, on ressent bien la vibes. On devait faire. Alors, on devait aller sur le show Walking Dead, mais finalement, on est parti sur du. Ok. Ok, ok. Bon, bah, j'espère que ça s'est bien passé. Ah, attendez ça. Mais je sais ce que je vais faire comme astuce sur TikTok ce soir. Alors, je passe après le stream et je le ferai rapidement parce que sinon, ma voisine, elle va pas être contente après ce. Ma voisine, j'ai appris que ma voisine entendait ce que quand je stream. Elle trouve que je fais un peu trop de bruit. Je me suis excusé, j'étais persuadé qu'elle ne m'entendait pas. À force est de constater que si elle m'entend. Trop stylé que ça fonctionne. Elle est pas mal, hein. Attendez, celle-là, on va corriger un bug. Alors. C'est un peu relou par contre. Ah non, pourquoi ça marche pas? Ah! Sa grand-mère, pourquoi ça marche pas? Attendez. Je vais y arriver. Hein. Mais. Voilà, on va faire ça. Bah. Attendez, la dernière fois ça avait marché, pourquoi ça marche pas? Je suis pas content le jeu. Pourquoi il me fait ça le jeu? Oh bah merde. Attendez. Regardez. Là si je fais élévation, je la baisse légèrement en moins 0,1 et qu'après ici je fasse échelle et que je fais 0,001. Hop. Ça supprime le mur. Alors ça laisse toujours le petit trait ici, mais au moins on n'a plus le mur. Il va pleurer des larmes de sang. Oui. Pardon. Ah bah oui. Je peux être modo STP. Non, Maeva, sur TikTok, j'avoue, j'ai pas de modo, mais il y a peu de gens qui discutent dessus. Donc non, non, non. Et le modata, ça se passe sur Twitch. Et c'est que des gens que je connais ou qui sont là depuis très longtemps. Et elle te l'a pas dit avant. Comment ça? J'ai pas tout compris. Il faudrait que tu te mettes de la mousse acoustique, peut-être. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Alors, en fait, je vous explique. Il faut savoir qu'elle m'entend depuis 2-3 semaines. Et ça coïncide pile au moment où j'ai changé ma pièce de stream de place. Parce qu'en fait, ici, avant, c'était ma chambre. Et ici, cette pièce est beaucoup plus grande, elle fait 15 mètres carrés. La pièce de stream ne faisait que 11 mètres carrés. Et du coup, ça me faisait trop petit pour moi. Parce qu'avec toutes mes étagères derrière, plus mon bureau, et ben, en fait, il n'y avait pas assez d'espace. Du coup, j'ai interchangé les deux pièces. Depuis que j'ai interchangé les deux pièces, que ma voisine m'entend. Donc voilà, donc je vais rajouter des mousses acoustiques, je vais les remettre, parce que j'avais enlevé celle de ma pièce de stream, je vais les remettre en face de moi déjà, donc je pense que ça va aider, je vais faire ça demain, et je vais également acheter des mousses acoustiques pour les mettre sur l'intégralité de mon plafond. Voilà. Elle me dit, ouais, ça fait 2-3 semaines que je vous entends, des fois vous parlez très tard la nuit et tout, et ça m'empêche de dormir. Et ben, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Je lui dis, par contre, juste, il fallait venir plus tôt en fait, genre dès que vous m'entendiez, il fallait me le dire. Mais très gentil, hein, enfin voilà. Mais alors, attendez, il y a un bug avec le jeu là. Il y a un problème. Au moins, t'auras un bug avec le jeu. Et c'est étonnant. Après, bon, est-ce que là je vais vraiment critiquer parce que le jeu est bug et tu vois que j'exploite moi-même un bug avec un mode. Pour pouvoir faire ce que je veux. Bon. Voilà. Merde, on voit le trait. Et franchement, c'est buggé, hein, c'est trop chelou. Mais ouais. Et c'est étonnant, non. Certainement pas, mais bon. À mon avis, je ferais ça. Attends, élévation. Au pire, je ferais ça au prochain stream, ces trucs des fenêtres. Parce qu'une fois sur deux, il faut redémarrer le jeu.
Voilà. Et je préfère avoir juste un trait comme ça, qui est plus passe-partout que des morceaux de mur, quoi. Forcément, dès qu'on met des verrières comme ça, on voit systématiquement ce pan de mur-là et on peut pas l'enlever. Avant, dans les Sims 3, on pouvait détruire le pan de mur qui était dans le toit. Du coup, ça te faisait juste les deux versants du toit et vide au milieu. Et bah ça, dans les Sims 4, ils n'ont pas donné l'option de le faire. Bon, c'est juste que là, par exemple, ça ne marche pas. Mais parce que là, c'est bugué. Je l'avais. C'est chelou quand même. Pas grave. Pas grave, c'est pas grave. Bon, bref, on va continuer notre construction. Mais ouais, c'est un tips. C'est un tips comme le. Ah, ce qu'on m'a appris quand même. Hein. Quand t'appuies sur la touche mage et la touche page suivante ou la page précédente, ça fait augmenter ou descendre d'étage la grille sans pour autant faire descendre ou monter l'étage. Et ça, je ne le savais pas. Et on me l'a indiqué la semaine dernière. Regardez, si vous regardez bien, regardez, la grille elle est ici. Et là, je l'ai fait baisser au niveau d'en dessous. Et ça, pour placer les colonnes, c'est trop pratique. Alors, t'appuies sur la touche mage, et tu sais, t'appuies sur la touche page suivante, et la page en dessous. Tu sais, c'est les flèches en haut et en bas, avec un trait dessus. Généralement, elles sont à côté de la touche insert ou sup. Voilà. C'est une viewer qui m'a informé de cette astuce. Je ne savais pas. Elle me voyait galérer avec mes colonnes. Mais en plus, c'est sur cette construction-là, parce que toi, ces colonnes, là, quand tu veux les placer ici... Regardez, je vais vous montrer. Hein. Regardez, elles ne se placent pas. Donc moi, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble avec l'intégrité de la maison. Voilà. J'aurais su ça il y a un an ou même il y a deux ans. J'aurais tellement gagné du temps dans mes constructions. Voilà. Ah bah je me doute, Caro. Mais voilà, ça, une fois que t'apprends ça, t'es en mode, ah ouais, quand même. Et merci, maman. Coucou à toi, j'ai dit merci pour le flow, pas du tout. Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. J'ai l'habitude. Alors, attendez, on discute. Voilà, merci pour le follow, du coup. Excuse-moi, j'ai anticipé. De rien, bah merci. Je vais m'asseoir parce que je me fais vieux. Ça, les copains streamers, si un jour vous pouvez vous acheter un bureau qui monte et qui descend, vraiment, faites-le. Allez, je pose mon heure, je vais me caler devant une petite série. Bon, bah, bon courage à toi. Enfin, bon quoi. Bon lurk à toi et bon visionnage de série. Ça m'a fait plaisir de repasser par là. Ça faisait longtemps, mais oui, de bon lurk et bon visionnage. C'est toi qui a fait tout ça? Oui, on l'a fait en stream. Alors, on n'a pas tout fait ce soir. Mais oui, c'est moi qui ai tout fait. Oui. Mince. Par contre, le terraforming, c'est ça qui est chiant. C'est que là, ça vole. Ok. Non, mince, mais je suis trop con. Je vais faire partir. Voilà, je pense que ça peut le faire. Ouais. Tu as l'air super gentil. Oh, bah, merci beaucoup. Merci. Il n'y a rien de mieux qu'un bureau ergonomique de toute façon. Ouais, alors là, il faut que je me rachète une chaise aussi. Parce que ma chaise, elle est vraiment pourrie.
Voilà. Je sais que le mieux, c'est genre la chaise qu'a NS et qu'a Lucas aussi. Lucas, j'ai vu qu'il s'est acheté une nouvelle chaise aussi. C'est le genre de chaises ergonomiques, c'est pas du tout des chaises de gamer. Bien que là, il y a c'est Secret Lab qui a sorti leur nouvelle collection de chaises avec les maisons Harry Potter. Mais bon, c'est quand même 400 balles quoi. Ou 500 balles, je crois, la chaise. Et coucou, comment on fait pour avoir le mode tool? Et bah coucou à toi. Alors tout simplement, il faut avoir... Bah déjà, il faut que tu sois sur PC ou sur Mac. Sinon, ça ne marchera pas. Tu peux pas l'avoir sur console. Et après, tout simplement, il faut le télécharger sur le site du créateur. Tu tapes mode tool sur internet, tu tapes mode tool Sims 4, tu vas trouver. Et tu le télécharges, tu mets dans le dossier mode, et puis voilà. Je vais manger à plus tard. Pas de soucis, Sinoc, bon appétit. De toute façon, nous, on va se quitter ici 20 minutes. Et des pops derrière toi? Oui, attends. Bien. Oui. Ah mince, c'est redevenu bleu ça, attendez. Attendez. C'est redevenu bleu, je vais changer la couleur. Hop, excusez-moi. Il y a un petit faux contact avec ma guirlande de LED, faut que je la répare. Ouais, je vais manger, bonne soirée à tous. Pas de soucis, bon appétit. Attendez. Il y en a beaucoup. Coucou Mister Short. Alors je vois pas trop ce que c'est, mais soit. Ah, d'accord, merci beaucoup. J'ai juste peur que ça ne marche pas avec les CC et les autres modes. En principe, ça rentre pas en conflit avec les autres modes, comme c'est un mode construction. Venir pour avoir un siège ergonomique, c'est un peu. Ah oui, les shorts. Voilà, c'est ça, pardon. C'est ça le nom. Excuse-moi, j'étais à la ramasse. C'est un peu le prix minimum.
Bon, je suis trop fier. Genre, on est d'accord que l'arrière de la maison, elle, il est trop stylé. Tu as deux doigts de le mettre en miniature pour YouTube, là, c'est l'arrière. Pour l'instant, bon, l'avant, bon. Yep, on va faire ça. En fait, ce que j'aimerais faire, c'est tout ici, là, c'est mettre des rochers. Normalement, la maison, en fait, elle est à flanc de colline. Donc, en fait, normalement, ici, là, surtout cette partie-là, en fait, en hauteur, normalement, ici, c'est la colline et t'as des escaliers qui descendent. Dans les Sims, on peut pas faire ça. Il aurait fallu que je fasse la maison dans un trou. Et bah, ça aurait été moche. D'ailleurs, elle donne quoi sur la galerie? Hey, coucou, Mounette, comment tu vas? Super, superbe cette construction, elle est divine. Merci beaucoup. Content qu'elle te plaise. Mais ouais, ce soir, on va être sur un live posage de cailloux, les gens. Alors, je pense que toi, si on te met dans ce sens-là, après, on vient te planter dans le sol, genre un petit moins 10. Moins 2. Moins 1. Bah, en vrai, de vrai... Après, si ici, on vient un peu mettre des plantes et tout. En tout cas, j'admire ta patience. La maison est magnifique. Mais merci beaucoup. Mais moi, j'admire votre patience à me regarder faire ça. C'est vous aussi qui êtes patient. Vous me regardez faire. Alors, on discute en même temps, donc ça aide. Et Ah, ça dépasse beaucoup. Élévation moins 0,5. Et puis là aussi, ça dépasse mince. Moins 0,5 encore. Oh, bah, ça n'a plus aucun sens. Faut que je mette celle-là, je pense. Alors, un peu comme ça. Élévation moins 2. Moins 3. Vraiment, c'est pour avoir ça. Ah, ça peut bien rendre. Je pense que là, si je rajoute encore un caillou, genre ici, que je viens le planter légèrement, genre moins 1 par exemple, ça peut le faire. Si après, ici, toi, je viens de te dupliquer, j'en duplique un autre, genre. Là, que toi, élévation moins 0,5. Encore. Moins 1 même. Ah bah, peut-être pas. Il y a des fois. Yes. Et après, ici, on rajoute de la végétation, ça pourra peut-être passer. Je réponds juste à un message. Voilà. Donc c'est trop proche du bord et que ça rend pas bien. Du coup, tu vas faire l'intérieur. Ah oui, c'est prévu. Alors, on le fera pas aujourd'hui, mais c'est prévu. Oui, c'est prévu. Juste que là, j'avoue, je suis plutôt inspiré pour faire l'extérieur aujourd'hui. Je veux pas vous mentir, je pensais aujourd'hui commencer l'intérieur. Mais je sais pas.
J'ai pas eu envie. Pas trop mal ça. Élévation moins 0,3. Non mais prends ton temps, mais au dernier stream tu hésitais à faire l'intérieur. Ouais bah j'avoue j'ai un peu peur pour l'intérieur mais on le fera quand même. Bah, en fait ça serait bête parce que l'intérieur, est... enfin l'extérieur commence à être très sympa. Ça serait bête de gâcher le truc sans faire l'intérieur quoi. Pense. Faut que je trouve un autre caillou dans la même teinte. Mais qui soit dans une autre forme. Alors, pas lui. Là, qu'on utilise depuis le début. Il est trop petit. Ou c'est celui-là qu'on utilise. Après, j'ai un doute. Oh, c'est le même. Parce que là, la teinte est pas pareille. Et... Alors je sais que dans la vraie vie, les cailloux ont jamais la même couleur, mais dans les Sims, si vous mettez deux gros rochers pas de la même couleur l'un à côté de l'autre, ça fait tache et c'est moche. Ah! Mon dernier stream, c'est vrai. Mais c'est vrai, le problème quand on fait des constructions de films et de séries, c'est qu'en fait, l'intérieur et l'extérieur sont totalement différents. Mais là, je crois que cette série, c'est l'exception qui confirme la règle. Voilà. Alors ça aussi vous pouvez le faire, regardez. Alors que normalement c'est pas possible. Il faut juste appuyer sur la touche action circonflexe pour agrandir vos colonnes. Regardez. Alors là par contre c'est très moche. Mais pour le reste, ça fait plus logique. Enfin, je trouve, en tout cas. Ah, je vais peut-être en faire une astuce de ça aussi, tiens. Ça fait, enfin, je les avais fait il y a très très longtemps sur ma chaîne TikTok. Je vais peut-être en refaire. Là, je pense qu'on va peut-être rajouter des petits buissons, des petits trucs comme ça. Là, ça fait un peu vide. Hop là. Et c'est ça, c'est le truc qui m'énerve le plus avec le terraforming dans les Sims. C'est que vous voyez, bah, ça vole. Après, je vous avais donné une astuce. Si vous n'avez pas le mode tool, ça j'ai fait une astuce sur mon TikTok, et je l'avais donné à NS d'ailleurs. Vous placez vos plantes en fait dans le sous-sol, et vous venez les monter avec la touche CD et la touche arrobase. Enfin, vous montez et descendez. Du coup, en fait, votre objet sera dans le sous-sol, et en fait, le fait de le faire sortir sous la terre, bah, du coup, vous pouvez jauger comme ça, et pas besoin du mode tool, du coup. Oh, c'est très moche, là. Non, non, non. On va remettre un peu de terre ici. Bon.
Oui, d'accord. Petit bug graphique, tout va bien. Voilà. Est-ce que ça y aurait pas moyen de changer un peu la couleur de ce truc ? Oh, pas, hein. De toute façon, ça change vraiment l'aspect. Et j'aime pas. Il y a celui-là à la limite, mais même pas. On va rester comme ça. On va rester comme ça ici, au pire, on rajoutera des buissons et tout. Bah écoutez, en vrai, moi je trouve qu'on a quand même bien avancé sur ce stream. Hein. Déjà, on aura fait le terraforming. Déjà, rien que le fait d'avoir fait le terraforming et que ça n'ait pas cassé l'intégrité de la maison, c'est assez impressionnant. Parce qu'on a quand même bien surélevé la maison par rapport à ce qu'elle était de base. Et on aura quand même magnifiquement bien décoré ici, même si c'est loin d'être terminé. Comme quoi, il faut superposer les cailloux. Hop là. Non, ça va jamais. Oula. Faire contrôle Z. Je vais voir après chez qui je vais pouvoir vous envoyer. Pas l'arrêt de le là tout de suite, mais je vais dire déjà qu'il y a Kiran streamé pour vous donner une idée. Alors si. Alors, je vais vous demander un petit truc tout à l'heure quand on va raid. On va raid la copine Sisourine. On va faire ça tout à l'heure d'ici 5 à 10 minutes. Et je vais vous demander, dans le chat, quand on va raid Sisourine, de marquer t'es pas venu au vocal, c'est pas bien. Elle comprendra. Est-ce que vous pouvez faire ça pour moi tout à l'heure quand on fera le raid ? Très gentil. Parce que oui, la copine Sissou et moi, on doit s'inscrire à Pékin Express. Ça fait déjà 2 semaines qu'on n'a pas le temps de le faire les week-ends, on ne se trouve pas le temps. Et là, elle me dit, t'inquiète, on le fait cet après-midi. Donc déjà, elle m'informe qu'elle a désactivé les notifications de notre conversation de groupe sur Discord. Ce qui explique pourquoi elle m'a mis des vents ces derniers jours. Je dis, déjà, à quel moment tu coupes les notifications ? Déjà, première erreur de sa part. Et là, je lui envoie des notifs comme quoi je suis dispo. Et elle me met des vents. Et 3 quarts d'heure après, elle me dit « Non, mais c'est parce que je faisais mon ménage de printemps. » On ne s'est toujours pas inscrit à Pékin Express. Donc, j'estime qu'il devrait y avoir vengeance. Voilà, vous copiez-collez, tu n'es pas venu au vocal, c'est pas bien. Voilà. Vous copiez le message de Shiyoko et dès que je lance le raid tout à l'heure, vous spammez ça dans le chat. Ça sent la vengeance. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors après, vous mettez l'emote si vous l'avez. Si vous l'avez pas, c'est pas grave. Mais ouais. Ça va être très drôle. Hop là. Pardon, excusez-moi. Bon, en vrai, je pense qu'on va sauvegarder, puis je vais faire la miniature, puis je pense qu'on va se laisser. Puis on va faire ça. Parce que là, faut que je fasse le TikTok, et j'ai pas envie de le faire trop tard, parce que là, il va être 22h, et que je sais pas si ma voisine m'entend toujours. J'ai même bien baissé le son au niveau de ma voix. Avant, c'est vrai que je parlais très fort. Je m'en rendais pas compte, mais avant, je parlais très très fort. Hop. Bah écoutez, je pense que sur ces bonnes paroles, vraiment, je suis trop trop content de la maison. Je suis amoureux de l'arrière. L'arrière de la baraque, il est incroyable. Après, je crois que souvent dans la série, on voit l'arrière de la maison. Très souvent, on a des plans où ils sont là, ils sont en train de manger ici ou là, je sais plus trop. Et bon, allez, hop, on sauvegarde. Je regarde juste si la copine Sissou est toujours en stream, parce que ce sera un peu con qu'on raid alors qu'elle soit plus là.
Hop. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va faire ça maintenant. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci à tous d'avoir été là ce soir. Encore une fois, ça m'a fait extrêmement plaisir d'être avec vous. Décidément, ma lampe ici ne veut pas être violette, donc elle sera bleue. Et on terminera le stream... attendez, vous savez quoi? On va terminer le stream sur une couleur bleue. Voilà. Voilà, comme ça, au moins, c'est raccord. Du coup, je vous envoie, comme je dis, c'est la copine de Sissourine. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le raid et à mettre le fameux message. Voilà, vous, n'hésitez pas à copier-coller le message et mettre celui-là dans le chat quand vous arrivez là-bas. Ça va la faire rire, je pense. En tout cas, merci à tous d'avoir été là ce soir. On se retrouve du coup, non pas demain, parce que demain, je vais à la salle de sport. On se retrouve du coup mardi pour la suite de la rénovation des mondes. On va continuer du coup mon Komori. Et j'ai plutôt hâte, parce qu'on avait commencé une espèce de grande maison typiquement traditionnelle japonaise. Et ça va me faire super plaisir. En tout cas, merci à tous d'avoir été là ce soir. Merci à tous ceux qui ont follow la chaîne. Merci pour les resubs. Merci pour tous les raids que j'ai eu, parce que j'ai été servi en raid ce soir. Donc voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir été là. Passez une excellente fin de soirée. Reposez-vous bien. Et moi, je vous dis rendez-vous à mardi. Et n'oubliez pas le message sur le chat de Sissou. Bye tout le monde!